Composé. Oh putain! Bonsoir. C'est parce que t'es un peu trop à droite, je pense. Bah, excuse-moi. Ça regarde ses choix. Et bienvenue, Hitbux, à ce Globigram, qui est en fait un Globinight. Un Globigram. J'ai lu Globilight, je sais pas pourquoi. Parce que, en fait, il y a IGHT qui fait height. IGHT, c'est qui IGHT? Bonsoir, Thiago, avec Kevin, mauvais serviteur dans l'elliptique, le sponsor de ce soir. Le sponsor de ce soir est encore et toujours, hein, bien sûr, les Kellogg's Chocotrésor. Trésor. On aurait pu changer. Pour pas voir qui. Ça Montre-le. Harry Potter. Et bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde, sauf certaines personnes à qui on ne dira pas bonsoir, tout simplement. Du coup, c'est trop bien, ça efface presque le message, en fait. Encore 329 views et tu es à 50 000 vues, bon live. Pas mal. C'est vrai. C'est ce qu'on fait par semaine dans le fond de l'affaire, mais ça va. Enfin, on fait plus. C'est Maxime, Kevin, la Gomiafia, les viewers et sa sœur de Max, si elle traîne par là, eh bien vous voyez que la lumière s'allume, et bien c'est elle qui a le pouvoir de contrôler la lumière. Ah, d'où Globilight. Globilight, voilà. Putain, c'est ouf. Tutifi. Thomason, c'est pas très gentil. Robin, tu vas être ban. bonsoir, bonsoir au Kellogg's, tout à fait. Vaca, c'est bonsoir quoi au Kellogg's. En plus, personne n'a été cité, Vaca, hein. Si tu te sens bah ouais, visé, je vois pas pourquoi, c'est que... C'est bizarre, hein. salut Sefar, salut Raflou. Salut Anaoué. Pouili. Maxime, du machin dans la bouche. C'est grossier ce que tu dis. Non, on t'a chier dans la gueule. Bio Daddy. Bio Daddy, ça sonne étrangement genre gay à moustache. Genre gay à barbe. Qui? Bio Daddy. Bio Daddy. Salut, c'est moi, c'est Bio Daddy, je suis 100% bio. Non, je veux trop, moi, le père de famille, un peu genre, tu vois, 40 ans. Ah ouais, qui est en que mode bio. Bio. Ouais, genre, allez. Allez, c'est Bio Daddy. C'est Bio Daddy. Alors, ça, tu me jettes, hein. Ça, c'est pas bio. Pas bio. Donc, tu vas manger du lait de soja avec tes petits céréales. Enfin, tu peux le boire. Tu peux le boire, c'est du lait. Ça va être oublié. Ne pas oublier de mettre à jour ce driver Nvidia pour GTA 5. Ben, je vais pas les mettre à jour maintenant. C'est parce que c'est y'a le live. Salut Afrotubiz. Est-ce que tu es un Teletubiz Afro? Et si c'est le cas, es-tu. Pou? Ben, ça fait trop, y'a un des Teletubiz qui est black. Ça serait ou trop le mec qui a fini Bioshock. Bio Daddy. Ou le mec qui a fini Bioshock. Bah... Ça sonne trop comme un gros spoil, mais on sait pas c'est quoi. Oui, mais il y a plein de gens qui ont terminé. Enfin, moi j'ai terminé Bioshock, je crois tu pas que je m'appelle Biodaddy. Ah, si, des fois on t'appelle Biodaddy. Vivement que j'ai un PC Master Race pour avoir le droit de jouer à GTA 5. Tout à fait. Il me dit jamais bonjour. Salut, Osun Janabi. Bonsoir. Yo Max, il y a un gros bicrou sur GTA. Tout à fait. Ça s'appelle Globtopus. Et vous trouvez facilement. Putain, j'ai... on dirait l'éclairage fait que. C'est de la barbe. On dirait que j'ai la peau défonce. C'est de la barbe. Oui, t'étais comme ça. Non. On dirait que j'ai comme des poils là. As-tu bien reçu mon dessin pour le concours Globilo? Je les ai pas vus moi encore. Non, c'est normal. Oh, ça fait trois bizarres. Attends, c'est trop. Comment vas-tu? Je suis un peu comme le petit truc là. Ah oui, la note de musique. Regarde. Pas similarité, regardez. Le live, c'est les gens qui sont là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, ils le font. Salut tout le monde. Oh mon dieu, mon t-shirt, c'est donjon et dragon. Attends, il est où le donjon là? Je sais pas, c'est moi le donjon. comment? Je suis désensibilisé, Vaca. Mais c'est pas comme ça que c'est écrit bizarre.
Alors, tu nous fais le comparatif Injustice ni visage, hein, combat, avec son avec alors, son visage. Son, flou, je son, y a pas de T, Vaka, et visage, il y a pas de S. Je sais pas pourquoi, mais Mortal Kombat 9 et Injustice étaient désinstallés sur mon PC. J'ai donc réinstallé Mortal Kombat 9, mais avec stupeur, j'ai découvert qu'il n'y avait pas de mode windowed, donc on ne peut pas jouer en fenêtré, et donc on ne peut pas liver comme il faut. On essaiera. Mais on a quand même des manettes. On a quand même des manettes, mais on va jouer à Mortal Kombat 10, hein, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, désolé, je serai seul, Nemer et compagnie, tout simplement parce que ma connexion ne permettrait pas d'aller sur le live. On pourra essayer, mais voilà. On pourra faire des Vitoman. Pareil, oui, on pourra faire des Vitoman, on pourra faire tout ce que tu veux, mon petit loup. Par contre, ça sera obligatoirement avec Trevor, parce que je suis dans la partie avec Trevor. Est-ce que je peux commencer une nouvelle partie? Trevor, c'est une grenouille, ça. Je crois que tu fais des références. Trop bien. Donc, c'est bon, je viens de rejoindre le Gombicrou. Mais rejoignez-le et ajoutez-moi, c'est Globtopus. Vous pouvez m'ajouter en ami, je vous accepterai. Tout simplement. Want your friend IRL avec Kevin. Ça, ouais. Ah, trop bien. Maxi, est-ce que tu vas encore chanter, Maxi? Vache, t'es un enculé. Il est très gourmand, oui, niveau débit, tu peux faire une nouvelle game et faire une vraie sauvegarde en dormant. Ah. C'est pas ce que c'est. Non. Tant qu'il y a du sang, de la chic et du molar, c'est cool. Alors, je ne peux pas jouer en live, hein, du coup, je suis désolé, mais peut-être plus tard, peut-être. Si Orange accepte de finalement passer la fibre au bout de 2 ans et demi. Je veux dire, peut-être qu'ils vont faire... Attendez, vous attendez 6 mois. Toi, il y a carrément toutes les choses que tu dois fibrer avant moi, ouais, alors, que je suis alors que mon immeuble est fibré. Alors que moi, le mien ne l'est pas. Et j'ai revérifié tous les câbles et tout, il est fibré. Tous les étages sont fibrés. J'ai vérifié. Hein. Non, t'as été dans les câbles? Oui, j'ai été vérifié là, au bout du couloir, tu pourras tout à l'heure, il y a la fibre. D'accord. Et donc ça fait genre, tout est fibré, mais non. Ah, t'as failli être le 50e membre. Si t'étais 50e membre, on t'aurait offert 700 milliards d'euros. Mais c'est... non. Quand tu veux dormir dans GTA, c'est une save, le reste c'est de la save rapide. D'accord. Tu cesses de fibrer? Oui, c'est pénible. Incroyable. Je vais faire pareil. Fais ta propre fibre. Si je fais ma propre fibre, ça ne va pas fonctionner. Je vais peut-être envoyer une alerte sur Facebook. Pour dire, ah, Orange, hey, venez, une alerte Facebook Orange. Orange, fils de pute. Et surtout que Orange, c'est fils de pute. Je les ai contactés sur leur Twitter, c'est Orange Conseil. Oui, c'est vrai. Ils vont s'appeler en février? Non, enculé, ils m'ont pas appelé en février. Certes. Le parachute doré de Maxime. Il l'a dit. Hein? Quoi? 712 milliards. Donc Kevin est 50e membre. Alors. Oui, tout à fait. En passant, j'ai eu un mail ce jour. Et je passe de 100 à 200, les gueules, si tu veux. Mais t'es un enculé, en fait. Fais des lives. On vient faire les lives chez toi. Hop. Les merdes. Alors, bon, eh bien, on va démarrer peut-être. On va démarrer, hein, tranquillement. On va commencer sur Mortal Kombat X. On peut poser plusieurs participations pour le concours. Oui, mais vous serez jugé pour... enfin, ça sera jugé comme une seule participation, toutes les participations, je précise. Vous ne pouvez pas gagner plusieurs prix avec vos plusieurs participations. Voilà. Mais vous pouvez gagner plusieurs prix en tant que participant. Bon, vous pouvez gagner prix du public, prix du machin, etc. Mais vous pouvez pas être premier, deuxième, troisième. C'est à ça que t'avais répondu, oui, c'est normal, quand je t'ai dit je n'en ai pas vu encore eu aucune. Oui. D'accord. Personne. Mais tu les verras. TKT. Bah oui, je les verrai. La semaine prochaine, en fait. Dès que ça sera la fin du truc, je vous les montrerai. Tu feras le tri avec les grosses merdes et puis... Bah en fait, cette année, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement... c'est pas de dire ça. Parce qu'on va supprimer certains qui n'ont pas le niveau, on va dire.
Parce que j'ai pas envie que ça soit comme la dernière fois où il y a des fausses participations. Oui, c'est Voilà, vrai qu'il y en c'est tout. avait. Genre un Globetopus sur Paint en 2 secondes et puis. Voilà. Voilà ma participation. Donc ça, c'est Mortal Mortal Kombat Kombat X. X. Alors c'est la version porno. Alors on va jouer deux joueurs. Alors attends, je regarde la stabilité de la Testez connexion. votre chance. Test your luck. Donc c'est des modificateurs, hein, mais on va faire un joueur contre joueur, simple. Donc voilà, tu peux choisir le personnage que tu veux après moi, je crois. Alors par contre, voilà, c'est ce que je m'attendais à voir. Ouf. C'est que... Ouais, du coup il aime Ça pas. ramouille. C'est normal. Attends, je vais revenir dans le truc, je vais baisser les options. Simplement parce que il est pas très bien optimisé et je pense qu'il y a certains trucs qui vont On pas. ne garantit aucun perfect fatality. Non, je sais même pas faire de fatality pour être franc. Je ne sais pas jouer. Voilà. Je sais jouer à Smash Bros, mais c'est pas la même chose. On va mettre des trucs en moins, hein. Genre moins de particules. Voilà, on va tester, peut-être ça sera plus fluide. Hein. Ça me paraît mieux, non? Ah, il aime pas. Hein. Un peu. Ouais, mais en fait, c'est juste quand tu fais apparaître ton personnage. Ah, mais Donc, c'est un enfin. problème de chargement, en fait. Moi, je veux regarder tous les persos. Hein. Bah, regarde leur petit truc d'abord. Toi, tu peux pas Ah, je choisir. vais Hein. l'acheter lui. C'est drôle, ça, tu peux l'acheter direct. Il me fait penser à un gars, lui. À Hellraiser? Non, peut-être. Je sais pas. Tiens, cette photo est trop bien. Je suppose Il que est c'est. lol lui. On dirait BioShock sans armure. C'est vrai. en badass. Alors, je précise que pendant le jeu, ça n'a jamais ramé. En solo. Mais comme là, il y a le live en Elle plus, Mac. Pas mal l'air, ça mec. ne doit pas être optimisé. T'as déjà choisi ton bonhomme toi ou... Moi, je vais jouer avec Scorpion. J'aime bien Scorpion. Je vais Kano. changer, je C'est vais un lui rappeur mettre. ça. Et donc, après, une fois que tu auras sélectionné ton truc, tu vois. Je Ouais. vois que là ça rame beaucoup moins déjà. Ça, parce que t'arrêtes de. Je suis plus heureux, non, c'est de la merde. Donc tu vois, regarde, après tu vas choisir en fait un type de combattant. Donc en gros, tu commences par choisir ton personnage. Ensuite, il y a trois Eh ben, on variantes. va tenter Fera Appuie et sur Thor. X, appuie sur X. Bah, tu peux maître serviteur si tu préfères, tu vois. Donc tu vois, ça c'est un autre costume que j'ai débloqué dans la crypte. Avec un K. Ah, il Donc, est pas mal. c'est Je vais prendre choisir. l'autre. Voilà. Il est bien aussi, c'est vrai. Hop. Et donc voilà, Du après tu coup. choisis entre trois types de combats. Entre pyromane infernal, ninjutsu et incendiaire. Bah, je D'accord? peux pas choisir ça, Enfin, moi, toi c'est autre oui, chose. par exemple. Et donc moi par exemple, vous voyez que c'est invoquer un sbire démoniaque ou les attaques uniques avec deux Tu sais épées. quoi? Je vais pas prendre lui en premier parce que je sens qu'il est... il a l'air spécial. Ou boule de feu, feu des enfers et aura du feu. Donc je vais prendre ça, moi. Prends lui, Air Mac. Donc voilà, tu peux en prendre Air Max, très bien. Appuie sur X, je ne sais pas si c'est. Non. Non? J'ai pas envie d'appuyer. C'est pour avoir un Non, mais ça autre. marche pas en fait. Appuie sur B. X. Non, Ah non, non, il t'en avait rien en fait. as Ouais, plus. bon, allez, pff, au pif. Hop. C'est bon. Donc du coup maintenant, est-ce qu'il y a un truc qui te plaît plus qu'autre chose là dans les niveaux? Mal aléatoire. Ok. C'est Light War. Donc ça sera Allez, ouais. forêt macabre. Highlight Wars. Donc avant qu'on commence, je vais t'expliquer un petit peu les contrôles pour qu'on soit un peu à égalité. Je vais te défoncer. J'espère. Sincèrement, j'espère. Donc voilà. On peut dire un peu une. Shao Kahn est en toi, je le sens. Notre créateur fait partie de nous. Je vais l'en extirper. Voilà, ne frappe pas, hein, encore. Ouais, tu me Donc je livres. t'explique. Voilà. En bas, tu as ta barre de X-ray, on va dire. Ta barre de spécial, comme on dit. Donc, fais rien, toi. Arrête. Kevin. Une fois que Pourquoi cette le barre sera décor rond? remplie, Oui? d'accord? Une fois que cette barre sera remplie, tu appuieras sur ces deux cachettes, En ça même mettra temps? X-ray, voilà. Et ça activera, en fait, tout simplement, ton spécial X-ray. Qui est une super attaque qui fait à peu près 30% de dégâts sur la barre de vie, donc c'est énorme. Ensuite, je peux sauter en appuyant vers haut. Ok, très bien. De temps en temps, regarde, recule avec moi s'il te plaît. Recule avec moi s'il te plaît. Ah bah tiens, recule, 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 recule. Voilà, là stop. Avance, 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 avance. Recule.
Ah oui, ça c'est comment... C'est quoi, c'est voilà. la souche là que tu vois? Voilà. La souche en fait, eh ben, si j'appuie sur ceci, je vais faire cela. D'accord? Quoi? Donc quand tu vois des trucs briller derrière toi, vas-y. Voilà, ça permet une interaction avec le décor. Très bien. Ensuite, ça c'est la prise. Donc c'est choper quelqu'un, tu vois, comme ça. Ok. Ensuite, donc ça c'est changer de côté, je sais plus exactement ce que ça fait. Ça, c'est se protéger. Et ensuite, tu as A, B, donc A et B qui sont coups de poing simples, coups de poing complexes, X et Y qui sont coups de poing simples et coups de poing complexes. Et après, tu fais des mouvements de corps pour enchaîner et faire des attaques spéciales avec cela. Basiquement, hein, tu tapotes tout, ça fera des trucs qui sont pas mal. Après, on verra par la suite s'il y a une vraie différence de niveau. Et le bouclier, du coup, c'est quoi? Le bouclier. Bah, la bulle, là. Puis quand tu fais hop, roulade, hop, passer derrière ton ami. Non, on n'est pas dans Smash Bros. Ah merde. Es-tu prêt à te battre? Il nous reste 26 secondes. 25. C'est okay. 10 secondes, belge, par contre. C'est bon? T'es prêt à te battre? Je prends. Aïe. Voilà, c'est pas mal. Tu sais te battre, déjà, c'est bien. C'est... Voilà, c'est cool. En plus, je crois que ton perso est relativement rapide. Ce qui va permettre de faire des coups quand même pas mal. Alors attends, j'essaie de te retrouver là. Moi, je me rappelle tout ce qu'on a fait. Je précise que je n'ai pas. Je ne suis pas du tout, et je sais pas toi. Il y a des trucs qui passent en arrière-plan. Regarde, l'attaque X-ray, c'est ça. Ah, je l'ai raté. En même temps, ça tombe bien pour toi. Comment? J'essaye de retrouver le truc, mais je ne me rappelle plus. J'ai joué hier. Ouais, c'est ça, c'est pas vrai. Mais il y a le. Comment? Bah, j'ai plus de vie que toi. Non, attends, parce que j'avais vraiment l'impression que ma vie était genre là. Ouais? Et que je suis mort après. Non, ah oui, mort, d'accord, il y avait le timing, temps, d'accord. Oui. Ouais, parce que là. Ah, attends, stop, pause. C'est bon, on... ah, alors ça, c'est vachement bien fait. Du coup, voilà, ici, t'as tous les combos de base que tu peux faire. Donc, tu peux voir éclat d'âme, téléportation, etc. Ça te permet directement de voir. Je te conseille de jouer avec la croix directionnelle, ce qui est quand même vachement plus adapté. Ouais, ouais. Mais donc, voilà. Donc, c'est par rapport à ta position actuelle, hein. Donc ça permet de peut-être, toi, voir les trucs, et tu as ensuite en jaune les capacités spéciales. Donc ça, c'est le truc de base. D'accord. Attends, on va essayer 2 secondes, histoire de... Ouais, ça te va, hein? Ouais, vas-y. Attends, laisse-moi essayer. D'accord, ouais. Tu vas vite. Je sais pas à quoi ça sert, mais du coup... Pardon. Attends. Merde, ouais. Ah, c'est la même qu'on a fait. Vas-y. Désolé. C'est, la VF est dégueulasse, mais vous ne pouvez pas la changer. C'est trop bien, t'as vu la neige qui tombe des... Elle part vraiment, ça, je trouve ça ouf. C'est téléport... Ah oui, téléportation, tu l'as aussi, c'était ça, d'accord. Ouais, c'est normal. Et après, étranglement translationnel, d'accord. Tac, tac. Ouais, bon, faut connaître les persos après quoi. Pardon. On se bat du coup? Ouais. D'accord. C'est trop bien, t'as évité pile comme il fait. Attends. Merde. Là, tu peux faire ton attaque X-ray avec les deux gâchettes, vas-y. Je te laisse la faire. Là, tu restes les deux gâchettes appuyées et tu lâches. Ah. Vas-y. Regarde. Comment c'est clair. Craquage de tête, c'est certainement le pire. Pétage de nuque. Craquage de... Cassage de dents. Ah, c'est marrant. Trop bien, hein. Voilà. Alors, pour finishing, je pense pas qu'il y arrivera, mais en fait, dans liste de coups... Ah, c'est les fatalities, là. Appuie sur start. Attends, c'était marqué. Appuie sur start. C'était marqué maintenir RT. Non, mais non, ça, et... c'est les faciles, ça pourra se faire. Va dans liste de coups. Va faire des à droite, voilà, coup fatal. Fatality. Voilà, fatality. Donc, bas, haut, droite. Allez, on va essayer la normale. Bas, haut, droite. Bas, haut, ouais, vas-y. Ça n'a pas marché. C'était assez drôle. Donc voilà, tu as gagné. Il me fait penser à un mec avec des bandages sur la gueule. Je vois pas du tout ce que tu parles.
Moi non plus. Alors, on choisit un nouveau combattant, je suppose que tu veux changer un petit peu. Oui, bah oui, hein. Revue, hein. On est là pour essayer de s'amuser. Choisis ceci et ça. Ouais, parce que tu peux très bien ne pas changer de personnage. Donc moi, je vais choisir... Attends, justement, Milena. Je vais essayer Jean-Patrick Ferrator. Jean-Patrick Ferrator, d'accord. Je vais prendre une autre... alors, Evanescence, Perforation ou Voracité. Alors ça, c'est pas mal, hein. Une attaque par morsure, je trouve ça rigolo. Eh bien, je vais prendre Voracité. Deuxième hasard, on est dans Ville en Ruine. Ah. Ah, ça, il est plutôt classe. Franchement, il est plutôt classe. Voyons ça. Et voilà. Et une distance, ouais, c'est vrai qu'il y a des listes. Ouais, bon, on teste. On connaît rien, c'est pas grave, on teste. Foscan ! L'entrée est le plat principal. Nous avoir déjà mangé Tarkatan. Eux, ils sont bien pour Oxyde. Attends, tu veux te battre du coup tout de suite ou pas? Alors, on peut regarder les trucs là. Pénétration, tiens, on va essayer ça. Bas, droite, gauche. Ouais, je suis trompé. Bon. La merde. Pourquoi j'y arrive pas? Ça, c'est exactement ça, non? Non. Ça va faire mal quand même. Aïe. Ah, mais à chaque fois, il montre le crâne en fait. Pas c'est pas que ça. J'ai dégagé ton petit singe à la con. C'est pas un petit singe, c'est un enfant. C'est un petit singe. C'est Eric. Mais comment elle se remplit cette barre d'énergie là? En se faisant taper. Putain, mais j'arrive pas à faire le truc que je veux faire. Gagné. Putain, j'étais pas loin de te défoncer. C'est vrai. T'es prêt? Attends, je regarde les autres trucs du coup parce que j'ai pas du tout regardé. Alors, envoler bas et haut, je comprends pas trop ce que c'est. Hein. Ok. C'est bon? L'anti-jeu, t'es fait. Là, tu peux faire ton attaque extra si tu veux. Mais j'arrête pas d'essayer de me protéger comme dans Smash Bros, j'arrête pas d'appuyer sur les gâchettes pour... Aïe, oh c'est ton attaque extra ça. Oh. Attaque de charge. Ah c'était horrible là, il commençait à partir. Ah mais t'as trop dit en fait, c'est un truc de fou. Ouais, je t'ai défoncé au début en fait. Attends, il faudrait que j'essaye quand même. Attends, deux secondes. Hop, alors. Liste des coups. Essentiel, combo, coup fatal. Proche. Oh, j'ai le foiré. C'est beau, j'ai le foiré. Il a l'air dur. Pas gauche. Facile. Oui, j'ai réussi. Ah, mais elle lui mange le visage. Ah, et on le voit. Mais son petit singe, il doit être trop triste. Il vient finir la tête. Putain, je suis fier, on a fait une fatality, quoi. Fatality. Bon. Allez, nouveau combattant. Franchement, c'était drôle. Moi, je m'amuse bien. Je sais pas vous, j'espère que vous aussi. Alors, moi, je vais choisir... Je vais choisir lui, il m'intrigue un petit peu, Aaron Black. Je vais choisir Aaron Black en marginal, puisqu'il est à poil. Et je vais prendre Hors-la-Loi, Pistolero, ou les attaques au fusil. Les attaques au fusil, ça a l'air trop bien. T'as choisi qui, toi? T'as choisi lui, d'accord. Waouh. Invocateur, d'accord, très bien. Et zone, voilà. Forêt Maca, oh non, bah c'est dommage. On retombe sur la même, c'est un peu triste. Ouais, c'est vrai, on aurait pu changer de même. C'est vrai. C'est pas grave, la prochaine fois on le fera. Donc ça, c'est moi. T'as vraiment cheval. Nous n'avons jamais fait. C'est un démolos. J'ai déjà son à mort. Nous en reparlerons après ta mort. Ça c'est drôle. Attends, stop. Merci. Crâne, c'est drôle. C'est vrai que c'est drôle. C'est drôle, mais vous pouvez pas comprendre pourquoi. C'est bon pour toi? On va rater tout. On va faire à la fin, tu sais ce qui va se finir. On va faire tac tac tac. C'est bon?
Pourquoi ça marche pas? C'est pas trop bien ça? Oculus! Non, j'y arrive pas. C'est vrai, il est bizarre. J'essaie de faire un truc, ça marche pas. What? C'est quoi ça? Ah, c'est... t'as eu ton attaque X-ray, j'avais pas vu en fait. What? Et là, t'es bah mort. Là, t'es mort, ouais, c'est pas possible de te rendre. Si, parce que je suis à Mortal Kombat! Tiens, votre botte! Votre botte toute seule! T'as fait une voiture. Boum! Tiens, prends, mange! Aïe! Salaud! J'arrive plus à faire. Bon! Ah, c'est peut-être parce que oui, je suis de l'autre côté donc faut. Voilà. Ouais, faut inverser les commandes, ça c'est. Ouais, ok, d'accord. Non! Oui! Oh putain! C'était chaud celui-là! C'était trop bien! C'est John Marston mais qui a pris de la copie. Oh, mais c'est trop nul, t'as ça des mais je sais, mais j'avais chargé. J'ai attendu tout le tour avant. Punchy. Bam, je t'ai pété un rein. Je t'ai pété une épaule, je t'ai pété un mâchoire. N'importe quoi. Putain, tu veux te battre? Tu veux te battre? Mange. Ah, mais arrête, c'est sur la prise. J'adore le fait de se battre et de l'autre. Putain, t'as une chauve-souris, mec, mais pourquoi t'as une chauve-souris? Pourquoi j'ai pas de chauve-souris? Parce qu'on peut pas tous avoir des chauves-souris. Mais comment on peut? J'adore me battre avec mes flingues, il est trop bien, j'aime beaucoup. Ah, il faut une finish. Si je le perds, je suis trop. C'est trop. À chaque fois, t'as réussi la dernière fois. Attends, gauche-droite, Y. Et c'est loin. Putain. Merde. C'est dur. T'avais un X-ray d'ailleurs en réserve. Ouais, mais je vais le faire. Drogue. Et tu vois, t'as des blessures sur ton personnage et il sue. Il sue comme un porc. Hein. Il sue comme un porc. Alors, le jeu est vraiment bien, franchement. Non, pas en revanche. Je vais ça un nouveau combattant. Avec un corps. Alors, tu vois, c'est bizarre que ça rame dans le menu et que ça rame pas du tout en jeu. C'est vrai, mais tant mieux, c'est mieux comme ça. Ouais. Non, mais vieux mot, autant que ça rame pas. Vieux mot, ça que l'inverse. Vieux mot, ça que l'inverse. Vieux mot, ça. Je vais faire. Je vais jouer Reptile. Je joue Reptile. Et je vais mettre Reptile tournoi. Ils sont un peu pareils. Ah non, ils sont pas pareils. Je vais mettre Reptile normal. Il est bien. Quoi que j'aime pas sa tête. Je préfère qu'il cache sa tête. Ah mais non, d'accord, c'est. Alors, agilité, augmente la vitesse de déplacement et ralentissez votre adversaire. Ouais. Tromperie, obtenez du vent. Hein. Et venin. Ça c'est pas mal. Venin. Ouais. T'as fait quoi toi? J'ai pris un truc de feu. D'accord. On va bah faire. Bah vas-y, prends celui-là, on l'a jamais eu. Ouais, voilà. C'est ce que j'avais proposé. Mieux motard, vieux motard japonais, tout à fait. Du coup, c'est parti. Du coup, lui, c'est. Mais moi, je ne connais pas, donc je sais même pas, Frixi, si je choisis des nouveaux ou pas. Ah, il dit quoi, là? La loyauté n'est rien pour toi. Les temps changent, reptile. C'est vraiment nul, reptile. Mais c'est pas grave, on les aime quand même. Alors. T'as un des finish qui s'appelle Gros Câlin quand même, il faudra que tu le fasses si tu me tues. Ouais, je vais te tuer alors du coup. Mais j'espère. Brûlame. Trop bien, Brûlame. J'aime bien les porte-manteaux comme ça. Moi je dirais vieux motard que j'aimais, mais bon. Rien ne vaut un pistolet pour faire des trous de balles, c'est vrai. Les temps changent, reptile. C'est vrai que c'est de la merde, c'est bon. Vas-y. J'essaie de faire les trucs, ça marche pas. Attends, je me trompe ou quoi? J'ai l'impression du coup de plus savoir ce que c'est. C'est dur avec une. Mais j'essaie de faire Brûlame. Ça marche pas, tu vois. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas, j'essaie de faire un truc, mais j'y arriverai pas. Crévage de yeux! Comment tu vas faire pour te battre après ça? Je sais pas, parce que ça c'est trop bien. Tu sais un truc, hein? Ah si, je peux faire. Et putain. Putain, il fait ton attaque extra. Ah, mais c'est. Là, je suis mort en fait. Hein. T'imagines, tu prends le couteau et tu pètes la nuque.
Cassage de nez. Mais je n'en avais pas, j'étais Voldemort, c'est quoi ça? Bah viens, tiens toi là. Putain, j'arrive pas à bouger. Il est ultra rapide en fait, Redkit, il est vraiment bien. Parce que moi je suis lent dans mes mouvements. Ouais mais tu fais beaucoup de dégâts. Je me suis brûlé moi-même, non? Je sais pas. J'ai lancé mon acide. Non, laisse-moi te tuer. Non, putain, j'ai failli le faire. Tu t'appelles Kotal Kahn? Ouais. T'as un frère de Nemesis? J'aime bien te faire des câlins, gros con. Oh, moi j'aimerais bien te faire un câlin. Putain, mais arrête de m'emmener sur ce poteau. Ouais. D'accord. C'est trop bien ça! C'est trop drôle! C'est trop drôle! What? C'était ça? Ah, mais t'as une deuxième extrait! Badass! C'est un peu dommage, c'est exactement la même chose. C'était la même chose en dernier, on va pas se faire. Putain, mais c'est pas possible! Y'a de bête! Non! Putain, j'étais un finishing déjà? J'avais même pas vu que j'avais gagné. Trop nul ce jeu. Mauvaise haleine, proche. Bas droite, bas gauche, B. On aurait pu avoir gros câlin, c'est toi. J'adore quand tu vas. Quand tu vois, il y a un vrai côté. Ouah, tu salues la caméra ou tu pues tellement de la gueule que ça devient fort. Il est beau de près, franchement. Les graphiques sont beaux quand même. Genre la peau du mec qui était très humain, du coup, est beaucoup moins belle. Hop. Alors, choisis un nouveau combattant. Pire que du coup, je vais choisir à nouveau. Tiens, je vais choisir. Elle est vraiment cool. Bref, ton choix, tu dois le faire à un quart d'heure avant. Johnny Cage. Bah, vas-y, je prends le Johnny Cage. Obligé. Tu t'es jamais battu. Tu connais pas Johnny Cage? Non. C'est drôle. Du coup, c'est vraiment un personnage depuis le premier. Quoi. Et je vais prendre Reine des Saints. Parce que c'est une meuf et je pense que c'est ce qu'elle aimerait bien. Ça rame dans les menus à cause du live, le HDD est beaucoup sollicité en jeu, tout est déjà chargé. Ouais, c'est ce que je pense aussi, hein, mais bon. Donc on fait la croisée des chemins avec un K, hein, parce qu'ils aiment bien faire des blagues. Mortal K. Ouais, voilà. Combat. Cette VF est l'une des pires que j'ai jamais entendues. C'est vrai, Maxime, dans le jeu, il y a aussi des finishes spéciaux quand certaines conditions sont faites, je crois, qui permettent de finir les nids de façon spectaculaire pendant le combat. D'accord. C'est juste que j'aime pas les insectes. J'aime pas les insectes. C'est vraiment de la merde. C'est... Ah, d'accord, il y a 3 attaques en fait. Hein. Ah, alors, je précise, hein, tu peux avoir une liste totale de tes attaques en appuyant sur A, par exemple. D'accord. Et tu accéderas à tout. Hein. Mais c'est pas ce qu'on fait, parce qu'on s'en fout. C'est bien, parce que tu m'as pas prévenu du tout, donc on en sait. Ah bon. Ça me paraît, c'est normal. Aïe! On appelle. Prends-toi des mouches! Prends-toi des piques! Dans le. Ouf! Ah, oh, mais comment tu peux vivre après ça? Aïe, mais c'est des mortels combattants, hein, ils sont déjà morts. Je crois. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Mais je trouve que les combos ils viennent rapidement. On est proche d'un Soul Calibur, je trouve. Où on peut enchaîner les combos en faisant plaisir sans connaître trop le jeu. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais. Vas-y, fais-moi ton attaque extra que j'ai. Putain, j'ai peur de l'avoir fait attendre. Ça va, ça. Mais il est tourné de la force pour craquer le crâne plusieurs fois. C'est pas mal. Putain, il t'enchaîne, toi. Ces combos sont très lents, hein. C'est assez perturbant. Putain, tu m'enchaînes! Ah, t'as des trucs là. Des points américains. Non, toi t'es américain. Je crois que j'ai une coquette. Putain, c'est violent. Parce qu'en fait, t'es rapide et puissant en fait. C'est vraiment cool. Ah merde, c'est quoi cette merde?
Je vais pas m'attaquer, moi, t'attends. Tac, tac, hop. Le team. Tac, tac, balade. Putain, je peux rien placer, là. Putain, je peux rien placer, c'est dur. Belle remontée, belle remontée de qui. En fait, c'est dès que tu peux en passer, hop, voilà, c'est... Ah bah oui, mais... Non, mais je peux même pas faire de finish, du coup, c'est triste. Et là, il est mort, ça sert à rien. Là, c'est bien, c'est réaliste, tu vois. Ah, allez, vas-y, bref. Elle doit avoir un truc cool, non. Infestation, moyen. Droite, merde. Droite, gauche, droite, ah. Oui, j'ai réussi. Ça va être sale, ça va être méga sale. Ah. C'est vraiment trop bien. Crassage de crâne. Crassage, ouais, Eldas. Voilà. Putain, elle était quand même pas mal. Hein. Pas mal. Allez, c'est parti, nouveau combattant. Hop, je vais continuer avec des meufs. Je vais essayer de jouer avec la fille de Johnny Cage, du coup, je suppose, hein, Cassie Cage. Cassie Cage. Cassie Cage. Alors, il y a Hollywood, obtenez attaque par balle, akimbo aérien et casse noisette. Ça, c'est le mec dans. Spéciale. C'est Barrett, ça, non? C'est pas nous, c'est Jax. Ah, Jax. Bagarreuse, obtenez élimination, projection aérienne puissance et brise courbette. On va faire ça. Jackie Bridge. Il n'y a plus qui m'intéresse. Allez, tiens, lui. C'est quand même pas mal, hein. C'est trop violent. Mais oui, mais c'est ça qui est bien. C'est pas gentil de faire ça quand même. De quoi? Il a même pas gueulé. Not a bitch! Not a bitch! Not a bitch! Ça aurait été trop bien. C'est bon pour toi? Alors. Yes. On enchaîne avec chambre du Jinsen. Jinsei. Jin... Enfin bref, ça. J'aime vraiment bien ce jeu. Je trouve que c'est un bon jeu de combat accessible à la Soul Calibur. Voilà. Comme l'était le précédent. Plus dynamique. T'oserais frapper une fille? Mais on fait que s'entraîner. J'aime les gens qui comprennent mon humour. Round 1, fight. Alors, Brice Courbette, élimination, c'est pas mal ça. Hein. Brice Courbette. Putain, y en a qui sont chauds. C'est bon pour toi? Ouais. Oh, trop bien. Oh, trop violent. Elle a un peu les techniques de combat qu'aurait le mal, je pense. Elle a des trucs comme ça. Plus t'as ton attaque extrait. Oh, c'est trop bien. C'est trop trop bien. C'est trop bien. Elle est trop bien, putain. J'espère que tu vas gagner et que tu vas avoir la facilité. Mais en même temps, j'en ai rien. Appuie sur cette touche là, s'il te plaît. Pourquoi? Parce que tu vas... Ouais. Cool. C'était quoi? T'as lancé un truc du décor. Ah. Ah, bâtard. Ah. Ça fait... Oh, bien. Un esprit, une lame. Un esprit, une lame. C'est sort, t'as une bonne distance quand même, l'attaque. Ouais, ça. C'est vraiment cool. Trop bien, les petits. Oh, pétage de couilles. Cassage de mâchoire. Balle dans la tête, ah bah oui. Dans les yeux même. Yes. Mais je t'ai fait que là comme dégâts. Elle fait pas beaucoup de dégâts. A chaque fois je me fais prendre par son coup. Putain, c'est badass ça. Allez. Ah putain, j'ai pas réussi à le faire quoi! L'égalité. Chier! C'est le dernier. Final round, fight! Putain, du coup, ça m'a gâché mon. Bon, ah oui, ah oui, t'as raté ton attaque extrait? Bah c'est ouais, c'est ouais, juste c'est, avant c'est de. Triste, ça. Aïe. Putain, j'arrive pas à faire ce que je veux.
Mais ça marche pas en fait. D'accord. Je sais pas. Putain. Voilà. Là, j'ai rien fait, j'ai foiré 10 fois de suite. Je mérite de mourir. Je mérite de crever. Mais attends, fais finish. Appuie sur A. Appuie sur A. Donc, tout à droite. Alors, tu dois être loin de moi. On va à l'autre bout. Et fais droite-gauche, droite-droite. Il n'y a pas besoin d'appuyer sur un autre truc après. Non, droite-gauche, droite-droite. Mais c'est rapide. Très loin, très loin, très loin. Voilà, vas-y. Oh oui. On voit clairement tout quoi, c'est trop bien. Trop bien. Pas mal. Trop bien. Franchement, trop bien. Ah, il est cool ce perso là. Allez, il y a plus beaucoup combattants. Pas partout à me battre. Salut à tous ceux qui arrivent. On s'amuse bien sur Mortal Kombat. Je vais prendre Kitana. Je vais jouer classique. Hein. Hop. Et je vais la mettre en mode tournoi. Bon, du coup, je vais prendre Sub-Zero puisqu'il y a des gens qui me demandent depuis tout à l'heure. On l'a pas déjà fait ? Non. D'accord. T'avais pris le jaune. Au cas où, t'as pas un autre costume ? Non, il y avait rien. Je regarde à chaque fois. Très bien. C'est vrai que j'ai pris Scorpion, donc c'est bien qu'on prenne Sub-Zero. Alors, Mélancolique. Attaque unique. Cône de glace ou de l'utiliser comme bouclier. Spirale éventail. Frappe assassine. Parade présent. Ah putain. Je vais faire ça. Comme ça, on verra un peu son visage. Parce que Sub-Zero ne montre pas beaucoup son visage. Cette fatalité est assez mauvaise, je trouve. Ouais, elle est classe. Qui? Alors, bah, le truc qu'on a fait, la fatality là. Bah ouais, elle est cool. Franchement. Pourquoi tu dis ça? Je trouve que t'étais vexé. Non, mais le gars a dit que c'était pas derrière. Franchement, elle est cool. Tu oserais me frapper? Je ne veux pas te tuer. Alors c'est toi qui mourras. Ton personnage veut pas me tuer, donc il a pas le droit. Bah je veux pas te tuer. D'accord. C'est trop... C'est bon pour toi? Ouais. Aïe. Ça rame, non? Ouais, ça rame. Je sais pas, mais c'est très pénible. Je pense que c'est le haut. Tu crois? Je sais pas. C'est trop bien quand elle soulève sa jambe. Tu vois, elle t'attend d'attaquer. Tu veux savoir qui est là, c'est ça. Ah, tu l'as niqué. Putain! Ah, faut être prêt? Bah oui, faut que tu me touches en fait en... avec elle. Craquage de nuque. Recraquage de nuque. Achèvement de nez. C'était pas terrible. C'est pas extraordinaire, non. C'est vrai, il faut bien le dire. On a été habitué à mieux. Je vais arriver. Ah non, c'était impossible. On le sentait bien venir. Ils sont à deux droits de dire qu'on tire là. C'est vrai que les. Franchement, les répliques sont à chier, quoi. Putain, ça rame, ça merde. Ouais, ça rame à mort. Hein. Je sais pas ce que ça donne chez vous, mais... Bah là, tu m'enchaînes, là. J'ai rien le temps de faire. Mais... Là, t'auras ton attaque qui sera à la fin. Là. Il faut que je remporte, parce que sinon je perds et tu me fais un perfect. Et alors? Bah, j'ai pas envie. T'es pas censé me tuer, t'es censé ne pas me tuer, en fait. Bah, je vais pas te tuer. Bah, je sais pas, faire une fatalité avec ce géant. Putain, il y a un crocodile géant, chelou. Tu le vois ou pas? J'adore le bruit, les mecs. Quand on attaque, ça y est, c'est la mauvaise humeur. Tu me arraches le foie, tu me craves l'œil avec un truc qui fait du feu à la taille de mon crâne. What? Attends, le rat. Trop, tu joues ta vie, quoi, le rat. Putain, les choses. Pneumonie. Gauche-droite, gauche-droite, bas-gauche. C'est proche, après. Gauche-droite, bas-gauche. Gauche-droite, bas-gauche. B. Ouais, c'est dommage, hein. Ça arrive. Hein. Ça arrive. It's a fail! Sub-Zero wins.
Sub-Zero wins. Sub-Zero l'a mérité. Bravo. Allez, un dernier match et après on passe à GTA. Ok. Du coup, je vais choisir Raiden. Christophe Lambert pour les fans. Stanton. Attends, quand le jeu jouera bien. Oh, j'ai mis mes 10 buts. P2. Je sais pas qui prend moi. Qui est-ce que je peux prendre qui vous ferait plaisir là du coup. Je pense que ça serait cool que tu prennes Jax. Cano, pardon, excuse-moi. Jean-Jacques, Cano. Alors. Tu pensais un peu à JD. Non ? Il a une barbe et tout. Hein. Puis il a son truc, tu sais, JD, il a toujours cette espèce de grosse gliode sur le torse. Ouais. Et un peu comme. Ouais, Tony Bennett. Hop, hop. Est-ce qu'on est déjà allé bien loin? Ouais, marché d'outre-monde. Tiens, ça on l'a fait celui-là ou celui-là, c'est bon. On va faire celui-là? Tu veux? Tant pis, ok. Ouais, vas-y. Celui-là. Camp de réfugiés. Autant... Ah, attends, non, celui-là il est classe. Le temps de le repère. Ouais, il est vraiment classe. Toutes les zones sont vraiment classe. Franchement là-dessus, c'est question comme drôle, tiens. J'étais à One ou PS4? J'étais à PC. Il y a des gens qui ont répondu. On n'est que sur PC. Et là aussi, on est sur. Je t'attends. C'est génial. J'aurais dû te tuer il y a longtemps. T'as vu, c'est pas classe comme zone de combat? Si, hein. Alors. Éclat oculaire, quoi. Laser ascendant, lancez tout. Ok. C'est bon pour moi. Bande de vendus. On a tous les deux des. Il fait comme Rob. Il fait comme Rob dans Smash Bros. Avec ses yeux. Ouais, j'arrive pas à trouver les attaques avec toi. Ouais, prends cette bouteille de vin et voilà. Ceci est mon sang. Ceci est mon attaque. Oh, tu as ton attaque. Je l'ai. Ok, la gueule. Ah. What? Il est ultra badass lui. J'ai que des mecs qui te démontent les convertibles. Tout le crâne. Aïe. Trop de bombes maintenant. Il n'y a pas de doute. Je sais pas, on ne sait jamais. Petit coup de pied dans le genou qui te tue. Sa mère. Ah, Kevin n'était pas prêt pour cette attaque. Merde, ah, il se fait putain, enchaîner. Mais c'est dégueulasse. Ouais, je sais. Je me fais le jeu, là, les gars. Trop bien, non? Ouais, ça change. C'est très original. Bam. Ah, il casse quand même la colonne vertébrale histoire de dire attends, tu crois quoi, j'étais là, je reviens. Je ne comprends pas mes attaques en vrai. Ah voilà. Ça y est, je commence à comprendre mes attaques mais pas trop. Putain. Mais putain. Ah, j'arrive plus à en placer. Pas grave. Chacun à son tour, j'ai envie de dire. Tu as raté avant, tu rates maintenant. J'ai raté avant, tu rates maintenant. Ouf, faut que ça rate. Je vais me faire une attaque. Évident. Je veux me protéger, je me suis trompé de touche. Tu fais pas trop de dégâts, moi, avec ça. Tu fais 30% à chaque fois. 30% c'est mieux que 5. Ouais, j'aime vraiment pas cette attaque. Et même là t'as juste à me faire une touche et je suis mort, donc j'essaie de t'abaisser un petit peu à mon niveau mais c'est un peu... Finish moi. C'est le dernier combat hein, donc Mot de tête proche. Alors proche. Bas gauche, bas droite, A. C'est compliqué. Je pense que tu vas le rater. C'est trop beau parce que c'est quand même un truc hyper simple. Oui mais on est mauvais, on est très mauvais. Ah ta gueule. Je sais pas comment j'ai vu. Attends, du coup, il commence à inverser. Ah, merde. Tu sais, c'était pas bon. T'as vu, il a des trucs cramés et tout. Bah, comment il a sauté? J'ai même pas fait haut. T'as dû faire haut sans le vouloir. Bah, non. Ah, mais non. Alors, attendez. Je tiens à préciser quelque chose pour tous les combats. Je me battais avec une manette de Xbox One qui a donc ce D-pad qui est vachement pratique. Alors qu'il se battait
avec une manette de Xbox 360 qui a ce D-pad qui est à Pourquoi chier. Il est comment le tien du coup? Et en fait c'est un vrai D-pad, pas toi. Et donc ça, ça change énormément. Ah du coup j'ai gagné. Bah techniquement t'as gagné de toute manière. Je sais pas, on s'est marqué ou pas? Bah là t'as gagné, tu viens de win. Ouais non mais combien de fois? Ah non je pense pas. On a dû peut-être faire pareil, à la fin j'ai gagné. Franchement je sais pas. Mais toujours est-il que franchement c'est un très bon Mortal Kombat. Fais voir du coup, j'ai jamais essayé cette manette. Elle est vraiment vachement mieux. Ah oui, très bah, bon carrément, parce que du coup fais tes enchaînements. Je sais, c'est une purge. Non mais en vrai j'y ai pensé qu'après en fait, au fait qu'on n'avait pas la même manette. Ouais. Mais ça, ça bah oui, beaucoup. Mais j'aurais carrément gagné tous les matchs. C'était évident. Et oui. Et oui. Donc voilà. Il avait un bon départ, enfin j'avais un bon départ des palus. Alors là, voilà, là. Ce qui ne m'a pas empêché de gagner. Donc là, si j'avais eu un bon départ, vous imaginez. Ça va pas aller, ça va pas aller. Je pense que j'étais à 5, on ne pourra pas le faire. Oula, oula, oula. Attends. Ah, ça revient. Ça s'en va et. T'es obligé de faire Smash Bros. Du coup. Je ne l'ai même pas sur PC. Il est sorti quand sur PC. Jamais. Ah ouais, ça doit être ça. C'est bien le problème du PC. Non, c'est le même problème de Nintendo, ils sont même pas capables de sortir un jeu sur PC, c'est quelqu'un qui comprend pas l'intérêt de... Je veux dire, quand même. Donc Globtopus, si vous voulez m'ajouter, il n'y a pas de souci. Par contre, ouais, ça commence à chuter grave. Sur GTA. GTA. C'est la version gay de GTA. GTA. Je pense que là, ça va. On va essayer, hein, mais je vous promets rien. On va faire le mode histoire de toute façon, je vais retirer ça. Allez, je te retire. Tu joues pas la manette ? Je joue à la manette que quand il y a des trucs nécessaires. Ah ouais, non, ça. Ouh là là. On perd des images. C'est ce qu'on va jouer plutôt. C'est une super idée. Devine ce que c'est. Le bloc. J'avais pas d'idée, mais on peut jouer à Battle Block Theater, c'est vrai, c'est une bonne idée. J'attends de voir si ça charge jusqu'au bout, en fait. Demande d'amis reçu. Ben voilà. Hop. Vous pouvez me voir vous accueillir en live. Demande d'amis, il y en a qu'un. C'est du Berry Sartine. Au pire, LBA2. Peut-être que vous voyez quelque chose, hein. Tu vois le mode FPS? Ah oui d'accord, c'est vrai que j'avais jamais vu le mode FPS. Ouais. J'ai quasiment pas vu GTA 5, moi je précise. Hein. C'est vrai? Ah ouais, même sur console de toute façon. Hein. Et du coup tu joues en FPS tout le temps? Non, mais pour les gunfights c'est vraiment mieux. Oui bah j'imagine. Eh ça marche. Attendez, on est bien. Ouais, et là tu vas changer et tu passes en même temps. Ouais, c'est parti. Sérieusement les mecs, faites pas les coups. Sinon après je serais obligé de vous bloquer et tout ça, ça va pas être drôle. Alors. Ça tue des gens là. Ouais, on va faire C'est quoi le jeu du coup? J'ai jamais vu un GTA là. Un GTA. Bon, ça marche bien. Imagine la personne qui a jamais vu GTA qui découvre. Quand même, c'est une découverte énorme. C'est vrai que ça doit être une putain. Si t'as jamais vu GTA, quoi. T'imagines le bonheur. Ouais, tu dois te sentir libre. C'est un jeu où tu fais ce que tu veux. D'accord. Je peux même, genre, grimper en haut de la tour, là. Oui. Et tuer des gens en sniper. Oui. Je peux prendre une voiture et l'amener en haut de la tour et la faire exploser. Je peux aller en haut de la montagne là-bas. Ouais. Ça. Je vais essayer dans la maison là. Comme tu peux voir. Alors je ne sais pas. T'es mort? Regardez, mon personnage est en bas, c'est mon personnage du live. Je suis recherché. Pour toi. Il n'y a pas l'indice de police? Ouais, il faut que je fasse des missions pour pouvoir jouer avec les autres. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais aller là où il y a des avions. Je crois que c'est ici. Est-ce qu'il y a des trains? Oui, mais tu peux pas les conduire. Nul. Toi, tu peux pas faire ce que tu veux. Je te le dis. Y'a pas de bidon d'essence? Ah, c'est vrai. C'est pas grave, on va prendre cette voiture, elle a l'air très bien. Y'a 4 persos? Y'a 4 persos. Bah, c'est qui les 4 fait voir leur tête? Non, c'est ça. En fait. Il y a Michael, que tu peux voir à gauche.
Franklin ouais, qui est en haut. C'est les trois, mais c'est qui celui du bas? Comment il s'appelle, machin. Et celui du bas, c'est Gloptopus, donc c'est mon personnage. Ah, d'accord. Tu peux rejoindre directement comme ça. C'est, ok, j'avais pas compris. Donc voilà. Ceux qui l'a fait son screen. Ouais, mais enfin, c'est de la merde en vrai. Je t'explique. Moi, j'étais parti pour faire le Joker. Ouais. Sauf que déjà, tu dois choisir tes parents. Pas ta. Oh, c'est une pute. Madame, vous êtes une pute. C'est des putes. C'est des putes. Du coup, ouais, je pense que tu dois choisir tes parents. Pas toi. C'est-à-dire, tu choisis tes deux parents et ça va influencer ton visage. Ah, d'accord, c'est chaud. C'est de la merde. Ensuite, c'est Trevor, merci beaucoup. Et du coup... après... La grenouille. Et donc, après, tu dois choisir un peu ton visage et tout, mais c'est vraiment bizarre, parce que t'influes quasiment rien, ça sert à rien et tout. Donc du coup, tu te retrouves avec ce que je me suis retrouvé, j'étais un peu deg, du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais essayer de faire le Joker, sauf qu'il n'y a pas les couleurs, il n'y a que dalle, donc on se retrouve avec un mec qui a simplement les cheveux blancs. D'accord. Et voilà notre premier avion de choix. On va faire un petit tour en avion. On va retourner en ville. Ça va être bien en ville. Tu penses? Bah je sais pas. Ah c'est quoi ça? Mais non je veux pas moi ça. T'es pas obligé. Oui, je veux pas. Voilà. Non mais reste dedans par contre. Bah tu fais le truc et tu le fais pas. Ça marchera peut-être. Je sais pas, attends, on va peut-être voir au bout de la piste, y'a peut-être un autre avion. Ou peut-être là-dedans, il y a peut-être un autre avion. Suspense. Il est peut-être caché. Hein. J'aime bien les gens qui continuent de chercher quand même. Non mais on va voir au bout de la piste, peut-être qu'il y en a vraiment. Par contre, mon véhicule a disparu. Bah prends l'avion, essaye. Bah, je vais faire une mission, hein, du coup. Tu fais une mission, mais tu la fais pas. Non mais ils voudront pas, en fait, ça va faire des trucs. C'est pas grave, on, ah, on peut vraiment pas faire ce qu'on veut dans ce jeu en fait. Ouais. C'est vraiment de la merde. Donc voilà, on va essayer de passer à travers les anneaux. Changement de contrôle, directement passé à la manette. Hop. C'est là que le joystick est mieux. Je sais pas, faudrait... j'ai jamais essayé la souris. Ouais. Je pense que tu peux. C'est un peu pilote. C'était quoi ça, pénalité? Je sais pas. Je n'ai pas vu ce que c'était. Ça, du coup, pour lire les bulles en même temps, c'est pas trop ça. Ouais, ça a toujours été le problème du TH. Mais c'est quand même cool. Et donc, vous pouvez voir que le mode avion marche bien. C'est quoi ça, du coup? Putain, par contre, faut. Alors, un des trucs qui est assez ouf, c'est que si tu... comment ça s'appelle? D'accord, faut faire ça. Ah, faut que tu le passes dans le... Si tu te rapproches trop du sol, en fait, ta manette vibre comme une salope. Mm-hmm. Et en fait, t'as vraiment l'impression que tu... Oui, je sais pas, on s'en fout. Hein. T'as vraiment l'impression, en fait, que tu vas te cracher. Faut être à l'envers, en fait. Là. D'accord, ok. Quelqu'un a dit. Quelqu'un a dit. Voilà. Le premier, c'est lequel, celui-là? J'ai pas l'air. Ça compte. Ah, tu vois. Quoi? Tu vois que là, il collectionne les ponts aussi. Non, meurs pas. Une technique assez originale de tourner comme ça, ça. Et tu peux aussi tourner simplement comme ça. Comme une voiture. Une sorte de voiture qui ne marchera pas bien. Et qui volerait. Comme le dodo. Ouais, le dodo dans GTA 3, tout à ouais. Fait. Pire véhicule. La lune est énorme, non? La lune qui est de l'autre côté. C'est énorme. Orgie de pont, quoi, ouais. Ah oui, je tourne la tête, je suis dans l'avion là. Bon, c'était pas mal ça, on va faire. À mon avis, il faut tous les faire. Non? Pas du tout. Est-ce que vraiment t'as envie de faire que ça? Non, j'ai pas du tout envie de faire que ça. Par contre, on va exploser le véhicule parce que du coup, ils nous ont pas laissé conduire. Ça, je trouve ça. C'est pas correct.
Je pense que si je tire là, ça explose. Vide le réservoir. Ouais, mais ça, ça marchait dans les anciens, mais maintenant, je ne sais pas. Bon. Ça marchait dans les anciens ? Ouais, ouais. Mmh. Dans le Vice City, notamment, je me rappelle que ça marchait. Mmh. Je me souviens plus. T'en es-tu jamais souvenu ? Bon, je crois pas qu'il y ait d'avion. Peut-être. C'est un avion, ça ? Tu crois que c'est un avion ? Je me souviens de Vice City, ce que je me souviens, c'est les motos. Ouais. Et le fait qu'on trouve la tronçonneuse dans une salle de bain, il y a du sang. Ouais, comme dans ? Comme dans Scarface, oui. Tout à fait. C'était ça que je me souviens. C'est ce que je me souviens. Quand je pense à Vice City, c'est je pense à ça. Souvent le soir, en dormant. C'est pas un avion. Ça là-bas, c'est un avion, tu crois ? C'est un pigeon. Un pigeon ? J'aime pas les pigeons. Bon, c'est nul. On a un point paumé là. Ouais. Take a car. Mais là, j'en vois une là-bas, je vais y aller. Ça a l'air d'être un buggy en plus. Je sais pas comment on fait pour courir. Moi. Ah, voilà. J'oublie les contrôles. Mais c'est parce que je suis à la manette. Pardon. Ah, bah oui. Je me disais, c'est bizarre. Et si on joue tous les deux en même temps? Oh mon dieu. Non. Quoi? T'as tiré. Arrête. C'est trop bien, on peut vraiment jouer à deux en multi. Ouais, c'est trop bien. C'est un multi où on joue tous seul. C'est pas la meilleure voiture du monde. Attends, il a donné un coup de coude pas du tout. Mais alors... What? Non, putain, c'est trop relou. On va mourir, Kevin, on va mourir. En plus, t'as appuyé sur un truc qui fait que ça enregistre. Appuie sur ce bouton immédiatement. Là, c'est pas X, c'est pas pour... Hein? C'est pas pour rouler. Je sais pas, mais... Allez. C'est avancé. Mais non, putain, Kevin, tu me non, je fais bien, je fais bien. Je joue vraiment. Mais je sais pas où tu veux aller, c'est ça le problème. Moi, j'essaie de voir s'il n'y a pas un avion. C'est quoi ça? C'est un avion. Regarde, la lune est énorme. Hein. Attends, je suis. T'avais foncé dans un truc. Et? Bah, ben, faut qu'on se sauve la vie. C'est vrai qu'on est qu'une seule personne. Attends, je vais essayer de trouver sur la carte où sont les avions. Là, il y en avait un. Pourquoi tu veux un avion absolument? Mais pour aller dans la ville. Elle est là, la ville, t'imagines, on va se taper la route. Ah ouais, c'est super loin. Ah, hein. Je sais pas, moi. Attends, je crois que je peux peut-être commander un truc. Oh lui, t'inquiète. C'est toi qui fais du téléphone. Je m'occupe du téléphone. Atomic Blimp Services, how can I help you? I need a blimp. No expense. I have one available right now. I'll have them drop it off as soon as possible. Amazing, but you can order over the phone. Thank you for calling Atomic Blimp Services. Goodbye. Alors, attends. Maintenant, il faut qu'on aille là où il y a le blimp. Attends, prends l'autre voiture. Attends. Mais je sais, mais j'essaie de trouver le blimp. Dis pas qu'ils l'ont mis dans la ville, là. Il doit être pas loin. Je vois pas où il est. Mais il est comment? Il est noir et c'est une forme de blimp. Attends, on va le voir, hein. Il doit être là. Il est là. Oh, c'est loin. Bon bah sans tant pis, on y va quand même. Allez. On va prendre notre voiture. Ouais. Hop, c'est bon. Recule. La coutume à deux. On appelle le taxi, il te dépose en ville. On n'est pas des losers qui appellent un taxi. Toi, on aurait pu prendre le tracteur. Non, on aurait pu aller à deux. Pas de jamais. Ok. J'ai déjà fait des freins à 300 sur l'autoroute. Oui. Hé hey. Mais mec. Mec. Ouais, un triple accident, quoi. And that was me. Ça y a pas. Mec, tu payes. C'est le nom de la copine de PewDiePie. C'est vrai, quoi. Tout y paye.
Q-Tip. Putain, pourquoi je te... Mais putain, j'essaie de passer entre les deux, moi. Ouais, bah oui, c'est pas une super bonne idée, en fait. Non. Ah mais non, mais je me trompe. Arrête de sauvegarder des putains de séquences. Mais non, mais ils ont dû changer les boutons par rapport aux autres GTA. C'est pour ça que je me trompe. J'appuie sur Start. Bah j'appuie sur A. Mais non, j'appuie sur A. Pourquoi? Regarde. Là, j'appuie sur A. Arrête. Genre, A, ils ont mis que c'est sauvegarde. C'est bizarre. À mon avis, c'est parce que c'est... Il y a peut-être deux manettes, ou quoi. Bah, je sais pas. C'est... En fait, c'est impossible à deux parce que c'est fin ce qu'on essaie de faire et ça marche tellement pas. En fait, c'est parce qu'on doit tous les deux faire les mêmes gestes mais, et du coup, juste... ça le fait x2. Ah ouais. C'est pour ça. Non, attends, fais à 360. Ça fera 720. C'est faux. 1, 2, 3. Tu l'as fait dans le jeu. T'inquiète, va vers la gauche. Va vraiment vers la gauche, arrête de vers la gauche. Genre il peut faire ça. Ouais. Ça n'a aucun sens. Mais si, c'est parce que tu dis pas Los Santos. Non, le... Faut aller ça à droite. Ouais, d'accord. Et la police déjà. Ah, t'as chier. Pourquoi on est recherché par la police? Ça va, elle est vachement bien comme pièce. Bah oui, je voulais la prendre. Elle est aussi, là, je crois. Attends, recule. Attends, bouge pas, attends, sors de véhicule. Arrête de tirer, putain! Mais je tire pas! Joue. Non, mais ils vont vite là. Pas plus vite qu'une balle. C'était effrayant. Ça, c'est effrayant. On est mort, les gars. On est mort et c'est à cause de toi. Tu es. Reprends la voiture, reprends la notre voiture. Ouais mais attends, faut qu'on s'effraie un peu. Voilà. Notre voiture est morte. Non, t'inquiète. Attends, j'appuie sur X pour qu'on se baisse. Vas-y, conduis. Conduis. Ouais, faut que je vois un peu. Faut que je vois un peu ce que je fais. Vers la gauche. Là, à gauche là. Tu vois, l'atomique, c'est là où on va, c'est notre truc. Oui, mais je suis vers le radar, en fait. Ouais, d'accord. Et le gros truc atomique, c'est oui, là où on va s'envoler. S'envoler, putain, c'est bon. Vas-y, va là-bas. En vrai, c'est bien de jouer à deux, du coup. Non ça, ça va être chaud. Oh, putain. Ok. Très gauche, très gauche. C'est très dur de conduire comme ça. 86. Tiens là. Je peux pas voir ce que je fais. T'inquiète, là tu passes ici. Oh putain de merde. On peut peut-être mourir avant. Mec, on peut pas mourir maintenant. Bon attends, tu vas me laisser les pédales dans quelques secondes. Non non. Oh putain. Il va falloir que tu baisses. Oh putain de cul. Laisse-moi. Et putain de pédales. Comment on fait? Laisse-moi tout. Vas-y. Putain, il y a l'hélicoptère qui me tire dessus, ça va être un merde. Ça va être un non, merde. Je pense c'est que bon. Je vais mourir avant. On est bon, on est bon. Et on peut le faire exploser aussi. Attends, touche à rien. T'inquiète pas, passe-moi ça. Mais non. Je suis obligé. Mais prends-la au clavier. Non, je peux pas en fait. Fais le code pour plus avoir un plus. Je le connais pas. Putain. Comment tu peux jouer à GTA sous un petit code? Bah oui, mais je sais. On va aller en haut de la montagne là-bas. Dans notre base secrète. Hé, hey, j'urge. On a que 3 étoiles, c'est easy. En plus, on a rien fait, franchement. C'est vrai qu'on a rien fait là-bas. Franchement, je trouve qu'on a pas fait grand-chose de méchant. Enfin, des fois, c'est pire dans GTA, quoi. On a dû foncer dans une voiture, tuer un ou deux gars. Hop. Et voilà. Vaka, tu joues pas à ça, hein. T'as 12 c'est 18 ans, ans hein. À 12 ans, on a pas le droit. Regarde, mais du coup, il peut même pas me dire. On va aller. Il y a plus le rond de distance dans le GPS, là. Non, ça c'était. C'était avant ça. Maintenant, ça fait plus le 4, ça fait plus. T'as plus le 4 Bah, si, dans le 4, ça y était, hein. Ouais. Ouais. Et voilà, c'est bon, mec. Allez, on va tranquillement là-bas. C'est beau quand même. C'est pas mal. Franchement, j'avoue, c'est pas mal. Et encore, je suis pas au max. Hein.
pourrait avoir beaucoup plus de trucs affichés. C'est quand même beau. Petite lecture, hein. Tu joues à ça parce que tu as envie, Vaka, mais tu n'es pas en âge de comprendre. T'as tué un flic, c'est pour ça les 3 étoiles, où est ton sens des valeurs? J'ai pas tué de flic avant. Bah, un flic, c'est un être humain comme nous. Non, j'ai tué un flic au bout d'un moment, d'accord, mais d'abord ils sont venus vers nous, on a eu une étoile, d'abord, je sais pas pourquoi. Je dis pas qu'on n'aime pas l'étoile. Je dis juste que. Que c'est vite monté quoi. Vol de voiture, tentative d'homicide, homicide sur un agent de force de l'ordre, refus d'obtempérer, tentative de meurtre, agent de force de l'ordre. Oui, mais c'est allé trop vite. Des fois dans GTA, ça prend plus de temps. Là, ça allait trop vite pour rien. On sait pas ce qui s'est passé en fait. Moi j'ai peur. Moi je sais pas ce que. C'est quoi le truc? J'ai jamais dit que je touchais dans la bouche, Faka. Si tu veux exactement dire ça. J'avais dit ça. C'est exactement le mot pour moi. Ah bon? Ouais. On a enregistré une vidéo et t'as dit oui, je me tue dans la bouche. T'es dans la vidéo. Je parle pas. T'es sûr? Oui. Ah bah faudrait que je la re-regarde. C'est quoi cette petite lumière là? Non. C'est quoi? Hein? Tu peux exploser? Oui. Attends. Putain, c'est quoi? Regarde, t'as vu qu'il y a une inscription sur la montagne? Où ça? Là. Ah ouais, c'est une boussole. C'est chelou, non? Pose-toi là. Ah, c'est bien. Ça, c'est violent, ouais. C'est ouf. Ça explose d'un coup. Oh la vache. Putain, j'ai eu trop peur. Il y a même pas de prévention, quoi. BAM. Attends, t'inquiète, on va pouvoir retrouver le truc et on va remonter en arrière. Putain, Trevor, il y a une salle d'être, quand même. Désolé à tous les gens qui ressemblent à Trevor. Vous avez des sales têtes. Eh, hey, t'inquiète. Prends le truc, tu vas pas savoir jouer là. Ah oui, c'est vrai. Sinon, on peut pas jouer à deux. Et attends, attends. On peut pas jouer à deux à un. On va trouver le téléphérique. Attends, on va trouver déjà le téléphérique. Ah bah, je sais pas où il est là. Eh, on veut le téléphérique. Quoi? On veut le téléphérique. Ah d'accord. C'est une blague. Non, c'est pas. Non, c'était pas terrible. Bon. Ça fait pire, hein. Oui. Je m'y attendais tellement pas, mais hey, c'est ouf, quoi. C'était flippant, non? Ouais, c'est vrai. Franchement, je me suis dit, tu vas te poser, on va devoir descendre. Okay. Tu veux couper à travers champ? Ouais. À travers champ, à travers. Wouh! Je fais grand-mère. Eh! Hey. À travers champ, à travers champ! Attends. Quoi? Sors du véhicule. Regarde-moi cette belle déchirure là-bas. Tu la vois ou pas? Arrête. Je fais rien. Arrête, Kevin. Headshot. Vous inquiétez pas, c'était qu'une biche. Hop, montage de cailloux. Attends. Arrête de jouer. Juste essayer les boutons. Vas-y. À part. Par contre, c'est la police qui poursuit, on pourra pas monter en haut. Donc peut-être attendre d'être en haut. Quoi qu'on en coupe, une fois qu'on sera en haut. Attends. Vol de voiture, agression, excès de vitesse, mise en danger de la vie d'autrui. Si, ça c'est bon. D'accord, c'est pareil. Ok. Ouais, c'est bon. Ok. On va me faire chier maintenant. Ok. Non, mais c'est les mêmes boutons. Mais c'est dans la voiture, je sais pas. Ouais, sur la voiture, c'était chelou, hein. Ça fait tiens, il y a des vélos, quoi. Non. Non. Le mec est schizophrène en fait. Non. Excusez-moi madame, des fois ça m'arrive. Ça, il va falloir l'attendre. Hein. Il est trop loin. Attends. Kevin, sincèrement, ne fais pas ça. Kevin, on va pas pouvoir monter en haut. On va être triste. Ouais, recharge l'arme, calme-toi. Il y a quelqu'un dans le truc peut-être. On va se calmer. Arrête, laisse-moi monter dedans, sinon ça va perdre. Ouais. Hop, on va passer à la vidéo. Oh. Et voilà. Là, on peut tuer des gens. Attends, t'as pas un sniper? Attends, bouge pas. C'est quoi le sac à dos?
Vous avez trouvé une partie d'une lettre d'aveu, rassemblé tous les morceaux pour résoudre le mystère du meurtre de Leonora Johnson. Viens, on descend sur le câble. Et on court là-bas. Ouais. On court et on fait un jump là-bas. Laisse-moi faire par contre. Sinon, ça, sinon on va perdre. Non, mais essaye de marcher. On fait, est-ce que quelqu'un sait comment on fait pour activer le jetpack? S'il vous plaît, la touche pour activer le jetpack. Je sais pas pourquoi je leur fais confiance. C'est stupide de ma part. Jetpack. C'est pas un jetpack, c'est un putain de... Parachute. Parachute. Déployer parachute, clic droit. Bref. Allez. 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 Ouah ! Oh putain, c'est rapide avant de toucher ça. Tu penses que je peux le déployer et redéployer ? Non. Dommage. Non, Just Cause, tu peux. Me dites pas que c'est pas logique. Merde. Bon, on y retourne. Et il pleut, ça sera encore plus beau avec la moto. Avec la moto ? Ouais, on va prendre une moto. On peut prendre une moto sur le téléphérique et foncer avec la moto ? En haut, il y a une moto. À travers champs et à travers bois, c'est grand mon ami. Toi, tu vois qu'il y a une tornade là. C'est quoi ? On va pas prendre ce truc là, c'est chiant. Ah bah y'a le chauffeur dessus. Oh c'est une vieille. Putain les flics nous recherchent déjà quoi. On a rien fait, on a rien franchement, fait. Un mort t'as une étoile maintenant. N'importe quoi GTA. Putain t'as vu les éclairs. Écoute on a un impact de son de... Putain mais c'est ça qui m'énerve dans GTA des fois c'est les... Les trucs d'environnement qui... Ouais, qui sont invincibles. Qui sont invincibles alors que tout reste ici. Un bateau, c'est... Juste par là, je pourrais aller couper à travers champ par la bouche. Juste après ça. Non, pas là, pas là. C'est pas là, c'est pas là. Parce que là, on a la police au-dessus, en fait. Je vais pas faire. Putain, regarde, mais c'est bon. Oh, y'a un loup. Attends. C'est bon, les gars. Une brebis. Non, c'est une biche. Eh hey, biche, chauve biche, quand t'as un petit... Arrête de faire des sauvegardes en mais justement à la con là. Désactive. Mais... Désactive. Tu me fais des gigas sur mon disque dur avec ça. Non mais, pourquoi... Je suis d'accord, mais je comprends pas, normalement tu cours. Non, non, t'inquiète. Non ! Oh putain, t'inquiète. T'inquiète. Il va falloir tenir. À travers champs et à travers bois, chez grand-mère nous allons. Putain, mais il va mettre une blinde de temps à arriver. Il suffit juste pourtant qu'on aille tout là-haut, 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 là-haut. Ah putain, ça va être. Ouais, on voit les éclairs, c'est beau. C'est beau, non ? Ouais. Regardez. Donc voilà, GTA. Franchement, il y a plein de gens qui ont critiqué ce GTA. Autant sur. Attends. Je regardais les éclairs. Autant il y a plein de gens qui ont critiqué ce GTA par rapport au fait que oui c'est vrai il est moi je trouve que le début est pas très intéressant. J'ai pas à continuer je ne sais pas, plus je loin. Pas fait. Je trouve que les personnages sont sympas, très forts et sympas, mais je comprends qu'on n'aime pas trop le scénar. Moi je trouve que GTA 4 était plus intéressant au niveau du scénar. Après je sais pas où il va. J'ai hâte de voir. Je suis pas allé plus loin sur console. Là, ouais. Sur PC, j'aurais envie de le terminer. Le mode online est trop bien. Après, ah, c'est j'ai vrai la qu'un chance. GTA Online, c'est un peu ce que les gens attendaient aussi. J'ai la chance, moi, d'avoir accès du coup à une communauté qui est tout le temps plus ou moins là. Du coup, ça c'est vraiment cool. Je sais pas ce que c'est quand c'est pas le cas. Tu sais, quand tu joues avec des gens que tu connais pas, etc. Ouais. Je l'ai fait assez peu finalement. Donc, on fait pas le coup. On n'a pas beaucoup de balles. Avec le sang. Léon, il se sentirait mal. Là. Hop, voilà. Alors, attends, je vais te montrer un truc que j'ai vu l'autre fois. Est-ce qu'on peut récupérer ça ? Voilà. Déjà, là, on est immortel. Voilà. C'est bizarre qu'il n'y ait personne en haut de la montagne alors qu'il y a un orage de... Par contre, je comprends.
Déjà, on va aller tout en haut pour bien prendre dans les murs. C'est vrai, ça. Tu vois, on va. Important. On va tuer ce canard. Papy Snake dit que la plupart des gens ont critiqué les problèmes du online car ils avaient déjà tous fait ce mot sur console. Là. Ouais, c'est possible ça. Ça, après le online, moi j'ai pas eu de soucis, pour être franc. J'ai eu juste un souci où est-ce que je fais ça? Est-ce que je fonce à donf? Non, mais sur la rampe. Là? Ouais. Tu penses que je suis encore en vie? Ouais. Ah, c'est dommage pour le poteau. Ah, c'est vraiment dommage, j'étais à ça quoi. C'est dommage pour le poteau. Putain. Et ça fait une belle fin. Fuck. Attends, je vais ajouter des gens parce qu'il y a plein de gens qui m'ont ajouté, mais. Bit. Eguano. Ekawa. Stéphane, petit spectre. Du coup, rejoignez le crew. Hein. On est à 55 membres. Le crew s'appelle Globtopus. C'est assez simple. Plus vous serez nombreux, plus on sera nombreux. Hein. C'est pas mal ça. c'est notre letto. Oh, c'est quelque chose sur le visage, c'est du caca ou c'est quoi? Je sais pas. T'es sale. T'as peut-être des blessures, hein, t'es parmi encore. T'as mis un peu de... Je crois que j'ai encore mon parachute. Des résines. Est-ce que t'en as pas un tout le temps? Non. Ouais, je pense qu'il paraît logique en même temps. Oh, je veux ton véhicule. Donne-le-moi. On va réessayer de monter en haut. Et s'en sortir sans la police cette fois-ci. Ah, il est pas content. Mais non, je veux garder ta femme. Ouais. Oh. C'était un pote, non? Je sais pas. Donc la voix était très féminine quand même. Mais c'est peut-être un pote aussi, hein. T'as le droit d'avoir des potes filles, hein, tu sais. C'est pas illégal. Hein. Oui, non, mais je voulais dire. Non, mais je t'ai déjà dit plusieurs fois. Oui, je sais, mais c'est vrai que j'ai du mal avec cette notion. Pour moi, voilà. Ah ouais, et du coup, t'aurais baisé, c'est pas forcément une solution. Ça paraît, ouais. Non, 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 oh, je fais du freestyle, hein, si vous n'avez pas compris, parce que voilà, je maîtrise. Vous avez peut-être vu des vidéos sur internet de gens qui font des tricks, etc., mais c'est moi qui les fais. C'est parce qu'on c'est, on joue à deux, en fait. Ah. Attends! On joue à deux. Lui, il faut qu'on le chope, lui. Bam! Prends ça! C'est Eric. On l'a même pas senti. On l'a pas du tout senti. Ah, c'est quoi? C'était un cougar. Un puma, un truc, ouais. Je pense que c'était un puma. Moi, je pense que c'était un cougar. Tu vois, comme quoi... Ouais, ça se joue un peu, hein. Ouais. Ça se joue un peu. Par contre, il faut se grouiller le cul parce que là, je trouve qu'on va en rater. T'es en train de freiner, là. Non. Bah non, tu vois bien que les phares, en plus, ils sont pas allumés. Alors si je fais ça, tic, tu vois les phares qui... Mais les phares étaient allumés. Non. Quand ils font... Technique du saumon. Après, j'aime pas trop GTA, mais non. Moi, j'aime vraiment bien GTA pour le scénar, en fait. Je trouve que le scénar est à chaque fois vraiment un pur plaisir. De what the fuck, etc. Tous les détails qu'il y a dans ce monde-là. Je trouve vraiment que c'est un plaisir de vivre dans un monde de GTA. Ouais, enfin... Ah non, mais pas, ouais, pas y vivre vraiment. Pas y vivre vraiment, quoi. Personnage, quoi. Quand même. Et Oh bah putain. On va regarder la nuit tomber. Ou le jour se lever, je ne sais pas. Le jour se lever. C'est beau, quand même. C'est un beau jeu. Je trouve. GTA San Andreas, mais c'est le meilleur. San Andreas, c'est vraiment cool. Ouais, bah c'était le premier qui couvrait beaucoup de choses, en fait. Et qui était vraiment très très grand. Ouais, qui avait une grande... Et puis il y avait le côté RPG. Ouais. Qui revient dans celui-là, je précise, hein, regarde, tu vois, t'as le côté spécial, ah ouais, endurance, machin, etc. Et tu vois que... Chacun a ses spécialités. Et ça, c'est vachement pratique. Pourquoi il y a un petit 2 à chaque fois? Parce que c'est joueur 2, c'était moi qui les prenais, ça. Donc voilà, on va attendre... Ce serait bien que sur deux écrans, genre. Hashtag la vie d'un téléphérique, mais oui, c'est ça. Prends un selfie en attendant. 3615, la vie d'un téléphérique. Parce qu'on a dit que le hashtag c'était un peu l'équivalent de l'ancien 3615 et qu'il fallait le remettre à la mode. Voilà. Comment on fait pour faire un selfie? Bah, fais le selfie avec le téléphérique derrière. Tourne-toi. Mais ça marche pas, j'y arrive pas. Putain, mais ça on s'en fout, on va rater le téléphérique. Ça on s'en fout, les filtres à la con, on fait le mode normal. Téléphérique.
vite. Go! Go, Johnny, go! Bon. Voilà, c'est bon, on avait bien. Donc on va réessayer. Cette fois-ci, on va y arriver. Sans poteau. Certain. On va faire en sorte d'éviter le poteau. On va peut-être moins y aller comme des oufs. Ah, on s'est cassé les deux jambes. J'adore quand ils font des chutes comme ça. Les chutes saumon, moi c'est tellement ridicule. Il y a le côté saumon dedans, c'est genre. Ils lâchent tous leurs muscles. Nombre de missions dispo pour le personnage. Merci beaucoup. Ah, c'est beau quand même. Je vais dire que c'est pas beau. Pourquoi tu dis que c'est pas beau? Je sais pas, dit ce qui est pas beau. T'as dit c'est dégueu. T'as dit c'est laid. Ouh, la pancarte est pas. Attends! Mais j'aimerais bien. C'est de repasser par la droite. Ouais. What? Oh, tu t'es cassé. Ouais, hey, fat. L'attaque X-ray, on l'a vu là. Elle craint. Non. Bon, bah écoutez, on s'est bien amusé. Moi, je me suis bien amusé. On va arrêter le live là parce qu'on avait dit vers minuit et demi et il est minuit et demi. Ouais. T'avais dit entre minuit et une heure. Donc ça, c'est pas ça. Techniquement, c'est bon. On n'est pas tenu une minute près. Hop, Commander qui parle, que vous voyez dans le chat du coup. Hop, voilà. Franchement, moi j'ai vraiment bien aimé. Moi aussi. J'ai toujours bien aimé les GTA, hein, donc c'est juste que j'ai jamais joué à celui-là puisque je n'ai ni console. Enfin. Oui, ni... il faut un bon PC et il ni... faut une console. Bah si t'as la Xbox 360. Ouais, mais il est dessus. Et ouais, mais je voulais pas. Non. Non, si moi je jouais à Gettoni et. Ah ouais. Eh ben écoute, si tu veux, je peux te le prêter. Eh, hey, sur 360. Ouais, je l'ai sur 360. Ah, mais je sais pas si j'ai envie d'y jouer sur 360. Il est dégueulasse sur 360. Ouais, je crois on que j'ai envie de jouer mais... sur 3DS. Je préférerais y jouer sur. sur j'exagère un peu, mais. Console de nouvelle génération. Ah oui, c'est vrai que tu veux te l'acheter pour Rock Band. T'as vu la nouvelle manette de. Non, par contre, j'ai vu le truc de Guitar Hero. Ouais, du coup, je me demande s'ils vont pas le faire avec le. L'Oculus. Pourquoi? Je sais pas, ce serait cool. Non, mais t'as vu le truc avec le public? C'est quoi? J'ai pas regardé du coup. Le jeu en live, mais en fait, ils ont. Je me demande si c'est pas des vrais gens, d'ailleurs, ouais. Qu'ils ont filmé avec une scène et tout. Donc, si, ouais. Si tu fais le guitariste, en fait, tu as le guitariste à la première personne. D'accord. Et donc, en fonction de comment tu joues, genre, du coup, les vrais gens réagissent dans la. Mais c'est une putain de gros truc et tout. Et là, tu vas voir, genre, ton chanteur et tout qui te regarde et qui te ouais, fait cool. Genre des trucs ah, et tout comme cool, ça. Puis, du coup, ton bonhomme, il bouge et tu peux aller voir le batteur et tout comme ça. Et t'es la première personne. Et donc, ça, c'est dans le prochain Guitar Hero. Ectali, tu n'as pas joué à Xenoblade Chronicles. Guitar Hero Live, d'accord. Tout à fait, Shootomax, il va être magnifique. Ben... Mais donc, si je me trompe pas, Shootomax, c'est bien des vrais acteurs qui font les personnages. Je sais, j'ai pas vu. J'ai vu la vidéo j'ai est très vu courte, la nouvelle manette. Mais du coup, ça fait vraiment truc que tu pourrais jouer à l'Oculus. Non, j'ai pas vu. Et ben, en fait, apparemment, c'est sur 3 touches seulement, en fait. Mais c'est des touches avec 2 touches. Et en gros, ça joue que en haut. Mais j'ai vu que ça, hein. j'ai pas regardé, j'ai ouais, vu qu'un extrait, je me suis pas très renseigné parce que. J'aime bien Guitar Hero, mais j'aime bien en tant que casu, quoi. J'ai jamais essayé de... J'ai terminé le jeu, mais c'est tout. Oui. Livre des questions. C'est parti. Foire pas, mec. Si tu foires, tu seras pendu. Tu subiras une fatalité. Bah, je prends celle que je triche pas. Vous arrive-t-il souvent, par politesse, de dire des choses que vous ne pensez pas? Par exemple, lorsque vous prenez congé de quelqu'un d'inintéressant, faites-vous comme si vous aviez eu du plaisir en sa compagnie. Oui, ça m'est déjà arrivé. Bah ouais, parce que au bout d'un moment, j'ai envie de dire, vous êtes un être sociable ou pas. Bah oui. Et un peu naze cette question en fait. Ouais, en tant que c'est évident. Obligé, bah oui, tu vois pas dès que quelqu'un est intéressant faire rien. Franchement, je me fais trop chier, je me barre. Ouais, c'est horrible. vous réalisez que, à moins de changer de métier et donc de gagner 25% de moins, vous allez avoir des insomnies et faire environ un cauchemar par mois. Qu'est-ce que c'est que ce métier? Attends, recommence, quoi. Recommence. Attends. Suite de la question est énorme. Attends, recommence. Ouais. Vous réalisez que, oui. À moins de changer de métier et donc de gagner 25% de moins, d'accord. Vous allez avoir des insomnies et faire environ un cauchemar par mois. D'accord. Attends, et la suite de la question, c'est que décidiez-vous de faire? Et enfin, qu'y a-t-il de pire que le pire des cauchemars? Attends, mais qu'est-ce qu'il fait là? Quel est le métier qui inclut le fait de faire un cauchemar par mois et des insomnies? Je sais pas, mais en je gros, dois faire un cauchemar par en mois. En gros, la question c'est les terreurs nocturnes ou l'argent. En gros, c'est ça la question. Ou 25% de ton salaire en moins. Moi, avec 25% de ton salaire en moins, je vis pas.
Bah, tu vis, mais mal, quoi. Très mal. Bah, je fais plus de vidéos, en fait. Oui, tu fais plus de vidéos, tu changes d'appart, voilà. Mais tu vis. Ouais. Bah, moi, pareil, mais du coup... Parce que, en gros, la question, c'est est-ce que les cauchemars te gênent ? Moi, non. J'en fais un par mois, je pense, sans problème. Je sais pas. Non, je crois que... Franchement, je crois que non. Ça me fout, ouais. Je garde mon argent. Et c'est vrai qu'ils ont dit que moyenne de un cauchemar garanti par mois. Mais insomnie, mais en même temps, insomnie, ça va, quoi. J'ai déjà... Ouais. Franchement, ça va quoi. Et qu'est-ce qui est le pire que le pire des. Qui est-il de pire que le pire des cauchemars ? Ça, cette question n'a aucun sens. C'est genre, c'est quoi qui est pire que pire ? Je sais pas. Bah, un truc pire. Déjà, quel est le pire des cauchemars ? Je sais pas. Hein. C'est uniquement. Enfin, c'est complètement subjectif. Je pense que tu peux. Oui, parce que. Voilà, par exemple, lundi, quand j'ai dormi. Du coup, j'ai dormi chez. Ah, t'as dormi lundi ? Ouais, j'ai dormi. Chez Nel avant le tournage, avant le cauchemar, tu vois. Mm-hmm. Et du coup, on a tourné là-bas. Et du coup, je me suis endormi et j'ai fait un cauchemar. Dans lequel il y avait des migales sur moi, en fait. D'accord. Et du coup, j'ai fait un cauchemar. Mais voilà, ça va. Tu te réveilles, tu fais. Ah, oh, là, oui, bah bon. Ouais. Hop, tu te rendors. Non, puis des fois, il y a des trucs à la con. Genre, moi, je sais des trucs que j'ai fait souvent. Genre. Si t'es poursuivi ou tu sais qu'il y a un truc derrière, tu vois, ouais. Et que tu cours de toutes tes forces, pas. Mais tu n'avances pas, ouais, c'est tu sais, tu rames. Et du coup, t'es terrorisé par ça. Mais est-ce que c'est vraiment horrible ? Non, en fait, tu cours juste mal. Le pire des cauchemars, Kevin arrive. Non, mais je sais bien conduire sur GTA. Non, c'est pas le problème de bien conduire. C'est bien conduire quand il y en a un mec qui joue sur net et en même temps un autre sur le game. C'est impossible, je vous le dis. Parce que essayer de passer dans un espace comme ça alors que ta voiture fait cet espace-là et qu'on est à deux à faire. Tu fais genre. Et voilà, c'est normal, mais l'autre fait aussi, et du coup il fait... voilà. Tu me conseilles la Xbox One ou la PlayStation S4 avec Maxime ? Eh bien, je te conseille un PC de bonne qualité qui vaudra, à mon avis, la même chose que s'équiper entièrement sur une Xbox One et acheter des jeux. Et tu auras une galerie de jeux assez immense à moins de... Je peux dire que si tu achètes 50... pour 50€, je pense que tu peux avoir 100 jeux sans aucun problème. Et des bons. Donc voilà. C'est ça qui est, c'est toi qui vois. Avec un PC 50€, t'as 100 jeux. Maintenant, qu'est-ce que tu as pour une console et 50€? Je ne pense même pas que tu as un jeu. Si, peut-être. Si, je dis des conneries. Tu peux avoir sur PS4 le PS Plus. Je crois que c'est une 50aine d'euros. Et pour un an. Et du coup, là, t'auras deux jeux par mois. Ouais. Ce qui est tout à fait correct. La même chose existe sur Xbox. Ça fait 24. C'est vrai. Bah, beaucoup moins que sur PC, ouais. C'est sûr. Hein. 50€ sans jeu, franchement, sur PC, c'est easy. C'est même pas des chiffres assez ouf. Hein. Donc, en gros, sur PC, t'achètes des bundles. Tu payes 1$ à chaque fois, tu tapes 4 jeux. T'as des bundles à 3-4€ où tu peux en avoir 10. Donc, voilà. Et c'est vraiment le mieux. Et alors, Raflou, oui, mais pirater des jeux sur PC, ça n'aide pas l'industrie. Donc, c'est un petit peu dommage. Mon premier souvenir vidéoludique... Je pense que c'était sur Mario Land, parce que ma mère et mon frère l'avaient acheté à Toulon. Moi, d'ailleurs. C'est. Et c'était ça. Et c'est mes parents, mais. Enfin, ou Tetris, les deux. Et ils s'engueulaient là-dessus. Moi, je ne sais pas. Moi, le premier que j'ai eu, ça doit être Mario All-Star sur Super NES. En pack. C'était un pack. Alors, PC, la machine est chère, je ne suis pas d'accord. Franchement, à l'heure actuelle, vous pouvez avoir une machine vraiment bien. Qui va vous durer une paire d'années. Si après, évidemment, vous n'allez pas jouer à GTA 4, à GTA 5 avec les graphismes au max. Mais faut pas déconner. Enfin, est-ce que sur console vous pouvez jouer à des jeux comme GTA 5 avec les graphismes au max ? Non. Enfin, je veux dire, même sur PS4, les graphismes sont carrément moins bien que sur PC. Donc voilà, faut savoir ce que vous voulez. Moi perso, il y a énormément de jeux PC qui demandent que dalle, qui marchent sur mon qui marcherait sur n'importe quel PC, parce que c'est des jeux indés, etc. Franchement, aller plus vers ça, c'est bientôt le mieux. C'est bientôt... C'est bientôt les modes payants, c'est bientôt à la fin, alors que ça vient de commencer. Non, mais les modes payants, c'est pareil, ce côté-là, sur Steam, c'est bon, ça existe, oui, et alors, j'ai envie de dire, vous avez le Nexus, où il y a 1 milliard de trucs qui sont gratuits, donc voilà. Mais voilà, sur PS4, les graphismes sont moins bons que les moins bons du PC. Franchement, allez-y, quoi. Les goûts et les couleurs, oui, carrément. Ça, maintenant, à l'heure actuelle, franchement, citez-moi 10 exclus sur PS4 qui valent le coup. C'est ça le problème. 10 exclus sur Xbox One qui valent le coup. Il n'y en a pas.
Moi, j'achète une console quand il y a 10 exclus qui me plaît. Là, il n'y en a pas. Donc, j'ai rien contre les consoles. Vraiment, j'ai une Wii U, j'ai une Xbox 360, j'ai une PS3, j'ai une PS Vita, j'ai une New 3DS, parce qu'il y a des exclus qui m'intéressent. Mais, perso, si j'ai le choix entre un jeu sur PC et le même sur console, je vais l'acheter sur PC. Parce que sur PC, il sera moins cher. Sur PC, je pourrai l'optimiser. Sur PC, il y aura des options, des mods, il y aura des tweaks pour améliorer le jeu, etc. Enfin, voilà, quoi. Donc, Infamous Second Son, sérieusement, mec, c'est un jeu, un jeu, un jeu. Voilà, quoi. T'attends Resident Evil 7, mais tous les derniers Resident Evil, ils sont sortis sur PC, hein. Puis le 6... Et le 6, c'était à chier. Mais bah oui, Baby Snake, je suis totalement d'accord. T'achèteras-tu Max ? Je ne sais pas, j'attends de voir ce qu'il vaut. Encore une fois, pareil, je vous déconseille de précommander, parce que précommander, vous faites marcher une industrie qui, du coup, n'a même pas besoin de faire des bons jeux, puisque de toute façon, vous achetez chez eux avant qu'ils soient sortis, donc de toute façon, peu importe ce qu'ils sortent, vous l'aurez déjà acheté. Et donc, du coup, ils n'ont pas à sortir un bon jeu. C'est le gros problème du préachat, c'est-à-dire que c'est une très mauvaise idée dans une industrie qui cherche juste à faire de l'argent. Après, vous pouvez préacheter évidemment un jeu que vous savez qu'il sera déjà bien. GTA V, il n'y avait pas de doute sur le fait qu'il soit bien sur PC. Bloodborne, oui, Bloodborne, un jeu. Ça fait deux jeux sur PS4 pour l'instant. Et un PC correct supérieur à la PS4, franchement, avec. Non, mais oui, si vous prenez un PC qui a 20 ans et qui tourne sur Windows 95, forcément, vous mieux avoir une PS4. Hein. Là, l'argument est un peu... Non, mais le PC est plus cher. Oui, mais le PC vous sert à plein de trucs. Vous pouvez faire tout sur un PC. Vous pouvez regarder vos séries, vous pouvez regarder vos films, vous pouvez télécharger, vous pouvez regarder plein de sites, vous pouvez faire des montages, vous pouvez faire de la 3D, vous pouvez faire du traitement de texte, vous pouvez organiser vos trucs, vous pouvez faire des mods, faire tout ce que vous voulez, basiquement, sur un PC. Donc, évidemment que ça sera plus cher sur une PS4. Je joue aux cartes. Mais ça peut tout faire, c'est tout. Et voilà. Et en plus, sur PC, je rappelle, il n'y a pas de problème de rétrocompatibilité. C'est-à-dire que vous pouvez jouer aux jeux des années 90, 80, vous pouvez jouer sur émulateur à peu près toutes les consoles jusqu'à l'avant-dernière génération, plus des consoles même modernes comme la 3DS, etc., je crois, commencent à être émulées. Je ne suis pas sûr, je dis peut-être des bullshit. Donc voilà. Franchement, moi, c'est ce que je vous dis, une console, ça sert juste à jouer. Et vous dépendez entièrement des exclus, et aussi bien vous allez voir la même console sortir en version optimisée, ce qui arrive sans arrêt. La PS4, vous pouvez être sûr qu'il va y avoir une version de la PS4 Slim ou je sais pas quoi, qui va sortir dans un ou deux ans, et avec des packs où vous aurez trois jeux offerts qui seront trop bien. Attendez, vraiment. Et les jeux vaudront plus rien en plus, vraiment attendez quoi. Non mais c'est pour ça qu'il vaut mieux attendre la version finie, et en plus le temps que vous attendiez, pour le coup il y aura vraiment des jeux intéressants. Mon PC, le prix de mon PC ne peut pas être établi par rapport au jeu, puisque mon PC est fait pour le montage, donc il coûte une blinde, mais il est fait pour le montage, pas pour les jeux. D'ailleurs, ma carte graphique est techniquement pas terrible pour les jeux, j'ai 32 Go de RAM, vous pensez bien que ça ne sert à rien dans les jeux, et parce qu'il s'arrête à 8 Go, hein. Dans les jeux ça va pas au-delà, quelques-uns supportent 16, mais c'est rare. Donc voilà quoi. La 3DS est en prototype qui ne tourne pas. La 3DS est en prototype qui ne tourne pas. D'accord, ça arrive. Alors, absolument faux sur les jeux MS-DOS. Vous allez sur GOG et ils sont achetables et ils sont très bien. Ils tournent très bien. C'est un exé. Vous le lancez et ça marche très bien. Et c'est en français. Donc, GOG, Good Old Games, c'est un jeu où vous pouvez acheter des jeux oldies, etc. Il y a régulièrement des soldes. Notamment Little Big Adventure 2. Tout à fait, qui était gratuit pendant un temps. Enfin, en tout cas, le 1 était gratuit, je ne sais pas si le 2 l'était. Je sais plus. Oui, en tout cas, ils sont pas chers. La New 3DS, Monster Hunter 4. Alors, Monster Hunter 4 Ultimate n'est pas une exclue New 3DS. Legend of Zelda Majora's Mask n'est pas une exclue 3DS. La seule exclue, il y en a que deux pour l'instant, ou trois. Les seules exclues, c'est Xenoblade Chronicles, Binding of Isaac Rebirth, qui va sortir dessus. Ah ouais, et que sur New 3DS. Et je crois aussi un jeu de plateforme qui vient de sortir récemment qui n'existe que sur 3DS, ce New 3DS. Donc il y a très peu d'exclus hein, sur New 3DS. Les anciens jeux, bah, tout à fait, DOSBox et XUMVM, ça marche très bien.
Ah non, mais je fais très bien fonctionner. Évidemment que mon PC n'est pas une merde, mais ce que je veux dire, c'est que je l'ai pas acheté en me disant ouais, je vais pouvoir jouer à tous les jeux. Non, j'ai pas acheté. Si j'ai dépensé cet argent-là, c'était pour pouvoir faire des montages rapidement et efficacement de manière professionnelle. Vous pensez bien que le fond de l'affaire, je pourrais pas le faire si j'avais un PC tout pourrave, parce que bah, les montages sont genre fat, enfin les premiers fonds de l'affaire. Vous imaginez qu'avec ça, le temps qu'il faut pour monter la suite vous appartient partie 3. Alors si le PC était pourri, vous dites pas. D'ailleurs, le fond de l'affaire partie 3, la suite vous appartient partie 3 va arriver. Par contre, vous attendez pas un truc de ouf, hein. C'est pas parce qu'on a mis un an à le faire qu'il va être ouf, c'est juste qu'on a mis un an à le faire parce qu'il y a eu plein de problèmes. Comme bah, puis souvent. Tous les autres trucs. Tous les autres projets, effectivement. Ouais. Sur 3DS, il sort pas. C'est quoi comme PC? Un Asus il est comment? Ouais, un petit Asus. Non, c'est pas un Asus du tout. C'est pas un PC, c'est un PC pièce par pièce que j'ai fait construire moi-même. C'était quoi? Ouais, parce que Yannick l'a annoncé que Xenoblade Chronicles est sorti sur Wii en août 2011. Oui, effectivement, mais ce n'est pas... Enfin, ce que je veux dire, c'est que si tu veux y jouer sur console portable, il sera obligatoirement sur New 3DS. Excuse-moi, j'avais oublié, mais c'était des jeux qui étaient sortis avec la console, j'avais oublié le sens du mot exclusivité. Non, ouais, effectivement. Après, vraiment, par exemple, Monster Hunter 4 Ultimate est vraiment mieux sur New 3DS. Les graphismes sont vachement mieux, les temps de chargement sont super courts. Et même, la New 3DS, niveau confort d'utilisation, est genre à des lieux de la 3DS. Enfin, c'est vraiment... Mais rien que la 3D, en fait. Voilà, c'est ça. C'est, ça suit vos yeux, c'est machin. Moi, je me retrouve à utiliser la 3D vachement régulièrement, ce que je faisais pas avant. La durée de batterie, je crois, est mieux. Je ne suis pas certain. Par contre, il y a plus de réglages pour l'optimiser, ce qui est cool. Et c'est vraiment une console cool à utiliser, alors que la 3DS, moi, j'avais vraiment de mal, parce que du coup, j'utilisais la PS Vita à côté, et la PS Vita est ultra fluide. Et donc, du coup, ça donne vraiment... Enfin, c'est vraiment chiant. Bloodborne ne sortira jamais sur PC, tout simplement parce qu'il est édité par Sony. Et donc, c'est impossible. Sony ne laissera pas une exclusivité comme ça partir, quoi. Un bon PC de jeu pour faire tourner tout, c'est à peu près 600-700 euros, tout à fait. Vous pourrez payer plus cher, mais si vous payez plus cher, c'est que vous avez une autre utilisation. Ou bien que vous voulez vraiment investir dans le jeu. C'est-à-dire que vous vous dites, voilà, moi, je veux jouer à... GTA 5 avec les graphismes au max. Et vous mettez 1500 euros. Oui, mais ça, c'est votre vision des choses. Franchement, pour 600 euros, vous pouvez avoir un PC fixe, encore une fois, tout à fait correct. Évidemment, après. Oui, l'écran... avec 600-700 euros, vous pourrez jouer au jeu, mais pas au max. Voilà, c'est tout. Mais ouais. peut-être des jeux modernes, quelques-uns au max. Mais avec un PC 600-700 euros, est-ce que les graphismes seront aussi bien que sur une console à 600-700 euros? Oui. Voilà. C'est ça qui est important. Même mieux. Il y a plein de jeux que vous pourrez faire tourner au max, quoi. Pareil pour The Last of Us, ça a été fait par Sony, donc c'est pas possible. Vita, je suis tellement triste pour cette machine, tellement potentiel gâché. Franchement, sincèrement, il y a beaucoup de bons jeux, quoi. Et là, il y a... Enfin, franchement, moi, j'ai une chier de jeu et j'arrête pas d'y jouer, et c'est cool, et je continue à y jouer, quoi. Donc voilà. GTA 5 en moyen suffit, je pense. Ouais, ben GTA 5 en moyen, il est plus beau que sur console, hein, donc oui. À 400-500 euros, tu peux faire vraiment tourner pas mal de jeux. Oui, mais surtout tous les jeux indés, quoi. Donc, franchement, c'est cool, quoi. Si tu veux y parler des jeux au max, ben, franchement, tu peux faire pas mal de trucs, quoi. Donc, franchement, si vous voulez vous tester aux jeux PC, regardez sur Internet où il y a vraiment de quoi faire. Et, bonsoir, Kinshi Okami, le live est terminé. Rebirth sur Vita. Alors, Rebirth sur Vita, il est sorti, mais il est sorti à la date de sortie du jeu. Sur 3DS et sur Xbox One. Et je crois aussi sur Wii U, il ne sortira que dans quelques mois. Donc voilà. La série MH Monster Hunter. Kevin ne joue pas. Non. Et moi, j'y joue très rarement, pour être franc. Faut juste essayer la démo du 4, je pense. Ouais. 3. C'était le 4. Bon. Un PC, c'est plus abordable qu'avant, c'est cool. Mais carrément, quoi. Moi, je me rappelle de l'époque où il fallait claquer 1000 balles pour avoir un truc correct. Avec Windows 10, on pourra jouer à GTA 5 avec ceux sur PC. Je sais pas. Mais en tout cas, Windows 10 s'annonce très très cool pour ceux qui aiment bien le jeu vidéo. Donc, pareil, c'est une bonne idée d'acheter son PC cette année. Bonne nuit gentil, à tous. Tu as bien le droit de nous dire bonne nuit. C'est gentil, Kinshi. Bonne nuit à tous, du coup. Vous allez dormir ensemble? Non. Moi, je vais pas dormir du tout. Moi, je vais dormir parce que je me lève tôt. Et voilà. Du coup, je vais mettre la musique de fin.
Bonne nuit. Bisous, bisous, bisous partout. T'as entendu le hook sur le docteur qui veut faire une transplantation? Tout le monde pense que c'est important. Ouais, on en a reparlé hier. Je sais pas. J'ai pas regardé. On verra. A plus. Good night. Bon, tu viens de coucher ? J'arrive.